Merci d'avoir choisi d'être là ce soir à ce ciné-débat empreinte, parce que cette semaine est vraiment très très chargée en événements. Je sais que ce soir, il y avait, entre le Festival de l'image sous-marine, le Festival du cinéma de la foi, les événements environnement qui ont lieu à la mairie, etc. Donc vraiment, c'est un honneur pour nous de vous recevoir ce soir donc, pour ce quatrième ciné-débat empreinte sur la transition énergétique. La Nouvelle-Calédonie a deux enjeux de taille sur ce sujet de la transition donc énergétique. D'une part, la lutte contre le changement climatique et les émissions de gaz à effet de serre, puisque je vous le rappelle, la Nouvelle-Calédonie est un gros producteur d'émissions de gaz à effet de serre. On reviendra dessus après. Mais également son autonomie énergétique. Son deuxième enjeu. Donc nous, dans Empreinte, on s'est vraiment concentré sur le fait d'expliquer ce qu'est réellement la transition énergétique et qui elle concerne. Alors, dans un premier temps, on va vous diffuser l'émission et dans un deuxième temps, j'inviterai à me rejoindre donc les nombreux intervenants qui sont avec moi ce soir et la parole vous sera donnée pour échanger avec eux. Voilà, donc je vous laisse découvrir l'émission qui dure 26 minutes et on se retrouve juste après. Merci. L'autonomie énergétique est un enjeu majeur pour la Nouvelle-Calédonie qui développe depuis plusieurs années les énergies renouvelables. Depuis 2016, le pays s'est engagé dans la transition énergétique. Qu'est-ce que cela recouvre exactement ? Et quels sont les objectifs et les enjeux de cette transition ? Elisabeth a rendez-vous au barrage de Yaté avec André Boudard, le directeur de l'Agence calédonienne de l'énergie. Bonjour Elisabeth. Comment vas-tu ? Ça va bien, je te remercie. Nous avons la chance aujourd'hui d'être sur le barrage de Yaté, au cœur de la région du Grand Sud, qui est très réputée notamment pour sa biodiversité unique au monde, sa terre rouge bien sûr, mais également ce lac de Yaté que les Calédoniens aiment beaucoup, qui fait désormais partie vraiment du paysage du Grand Sud. Alors c'est un lac qui fait 40 km², soit la superficie de Nouméa et sa périphérie. C'est énorme et il sert à alimenter le barrage de Yaté. Alors c'est effectivement une retenue d'eau qui représente 315 millions de mètres cubes pour un barrage de plus de 640 mètres de long, 60 mètres de hauteur, et qui permet d'alimenter une centrale électrique, donc une centrale hydroélectrique d'une puissance de 68 mégawatts. Et cette énergie qui est produite, elle alimente aujourd'hui pour 90% de sa production la centrale électrique de l'usine de Doniambo et pour les 10% restants, ce que l'on appelle la distribution publique, c'est-à-dire toute l'énergie, l'électricité qui est consommée par les usagers, que ce soit les particuliers, les entreprises ou les collectivités. Alors, le barrage de Yaté, c'est le premier ouvrage qui exploite une énergie renouvelable très présente en Nouvelle-Calédonie, l'eau, et ce depuis 60 ans. Depuis quelques années, on développe d'autres énergies renouvelables, à savoir l'énergie solaire et l'énergie éolienne. Et depuis 4 ans, on parle de transition énergétique. Alors, qu'est-ce que ça veut dire exactement, la transition énergétique ? Alors, la transition énergétique recouvre tout un secteur qui gravite autour des énergies renouvelables et de la maîtrise de la consommation d'énergie. Le gouvernement a fait voter par le Congrès en juin 2016 un schéma pour la transition énergétique qui définit les enjeux donc de cette politique publique en matière de transition énergétique et qui consiste à fixer des volumes de production en matière d'énergie renouvelable, des objectifs de maîtrise de la consommation d'énergie, mais également des objectifs de réduction de gaz à effet de serre, et tout cela à un horizon 2030. Comment s'organise cette transition énergétique pour la Nouvelle-Calédonie ? Depuis le vote en 2016 du schéma de transition énergétique par le Congrès, le gouvernement s'est doté d'un outil au travers de l'Agence calédonienne de l'énergie, qui est un établissement public dont la mission est d'animer et de mettre en œuvre ce schéma de transition énergétique. Je le rappelle, le schéma de transition énergétique vise trois principaux objectifs, donc développer les énergies renouvelables,
maîtriser la consommation d'énergie et faire en sorte que nous réduisions autant que possible notre production de gaz à effet de serre. Donc aujourd'hui, nous avons commencé par la première étape qui est de développer les énergies renouvelables en Calédonie. Le gouvernement, depuis 2017, a agréé une vingtaine de fermes solaires pour une puissance installée de l'ordre de 110 MW et qui va permettre à la Nouvelle-Calédonie d'être autonome sur le plan de ce qu'on appelle la distribution publique. Mais maintenant, l'enjeu, il est double. Il faut à la fois sécuriser le réseau pour lui permettre d'insérer ces énergies renouvelables qui ont un caractère intermittent. Quand il y a beaucoup de soleil, ça produit énormément. Quand il n'y a pas de soleil, bien entendu, il n'y a pas d'énergie. Et le deuxième enjeu, bien entendu, au niveau de ces énergies renouvelables, c'est d'assurer la stabilité du réseau pour l'approvisionnement des centres métallurgiques. Troisième point très, très important qui est de faire en sorte que les usagers de l'énergie puissent faire évoluer leur comportement pour être beaucoup plus sobres et beaucoup plus efficients et responsables dans l'utilisation de ces énergies renouvelables. Alors là, tout le monde est concerné, que ce soit les collectivités, les entreprises et les particuliers, afin de les accompagner dans une démarche de sobriété et d'efficacité. Absolument, l'Agence calédonienne de l'énergie a mis en œuvre des dispositifs d'accompagnement qui sont adaptés à chaque type de consommateur d'énergie. Pour les collectivités, nous avons donc créé ce que l'on appelle des conseillers en énergie partagée qui sont en réseau sur toute la Grande Terre et également sur les îles. On travaille à le mettre en place sur la province des îles. Ces conseillers en énergie partagée sont là pour accompagner et conseiller toutes les collectivités qui veulent s'engager dans une démarche de transition énergétique. À côté de ça, pour le monde économique et les entreprises, nous avons mis en place un partenariat avec la Chambre de commerce et d'industrie au travers duquel nous avons créé ce qu'on appelle le parcours énergie. Ce parcours permet à toutes les entreprises qui, elles aussi, veulent s'engager dans une démarche de transition énergétique d'être accompagnées et conseillées pour devenir plus sobres, plus économes et donc faire des gains de productivité. Et enfin, pour les particuliers, tout un chacun peut venir sur le site internet de l'Agence calédonienne de l'énergie pour consulter le catalogue de ce qu'on appelle les éco-gestes. Il existe des dizaines de possibilités au quotidien de pouvoir faire en sorte d'être plus sobre et plus efficient dans sa consommation d'énergie. Accompagner les collectivités dans la transition énergétique, c'est le rôle du conseiller en énergie partagée. Direction la mairie de Coumac, où Céline Latu est en phase d'audit dans cette commune très en avance sur le sujet de la consommation d'énergie. Bonjour Elisabeth, bienvenue à Coumac. Merci beaucoup. Alors toi Céline, tu es conseillère en énergie partagée. En quoi ça consiste ? Alors le conseil en énergie, en fait, c'est un accompagnement sur plusieurs communes. Donc c'est pour ça qu'il est partagé et c'est pour les petites communes et qui n'ont pas forcément l'intérêt ou le besoin d'avoir un temps plein, en fait, une personne dédiée à l'énergie. Donc je suis partagée sur plusieurs communes. Alors combien de communes et lesquelles ? Alors je suis partagée sur 7 communes aujourd'hui. Alors il y a moi et d'autres collègues. Et du coup, on est sur 7 communes, donc 3 dans le nord aujourd'hui et 4 dans le sud. Ici à Coumac, donc tu as porte ton expertise en matière de maîtrise de l'énergie pour accompagner la commune vers une transition énergétique. Tout à fait. En quoi ça consiste exactement ? Alors du coup, la mission, elle a débuté il y a un an et on a commencé effectivement à récupérer un peu des éléments qui nous permettent de faire justement cet audit et essentiellement sur les facturations. Donc on a récupéré toutes les factures qu'on intègre en fait dans un logiciel de suivi énergétique et qui va nous permettre en fait de sortir un peu les bâtiments énergivores, en fait ceux qui consomment le plus d'électricité, même de l'eau, parce qu'on traite plusieurs thématiques, l'électricité, les énergies, l'eau et aussi le carburant, les flottes de véhicules. Donc la mairie de Coumac est un bâtiment relativement récent qui, dès sa construction, a pris déjà en compte des éléments bioclimatiques. Oui, effectivement, c'est un bâtiment récent et qui permet effectivement d'intégrer des éléments au niveau de la construction pour éviter la consommation d'énergie. C'est souvent la climatisation pour améliorer le confort. Et du coup, là, avant d'allumer la climatisation, on a réfléchi justement à essayer de faire de la ventilation naturelle, par exemple, avec des systèmes de jalousie qu'on peut retrouver dans chaque bureau. Je peux vous montrer. Du coup, là, on peut ouvrir tout simplement la fenêtre à deux niveaux. Donc ça permet de faire de la ventilation, mais
peut-être aussi ça peut déranger avec les papiers qui s'envolent ou des choses comme ça. Donc là, du coup, on peut aussi ouvrir que en haut. Et en donc plus, il y a plusieurs et c'est traversant. Un petit courant voilà. D'air, le but c'est ça, c'est de vraiment faire quelque chose de traversant pour rafraîchir. Et on a aussi des casquettes. Donc on a à l'extérieur à tout niveau en fait qui fait de l'ombrage et aussi tous les bureaux donnent sur un patio qui est végétalisé. Alors c'est certes très agréable aussi visuellement, mais la végétalisation ça apporte quand même de la fraîcheur, ça garde cette fraîcheur en fait sur la journée et tout ça, ça permet d'allumer la climatisation plus tard dans le temps et sur une période un peu plus moins importante en fait. Alors c'est vrai qu'à Kakuma qui fait très chaud, c'est d'ailleurs la région de la Nouvelle-Calédonie la plus ensoleillée. Tout à fait. Et c'est pour cette raison que la commune a donc décidé il y a un an et demi d'équiper toute la toiture de la mairie avec des panneaux solaires. Tout à fait. Aujourd'hui, il y a 80 panneaux en fait de 300 watts crête en fait qui permet aujourd'hui de couvrir les besoins d'énergie en fait de la commune et effectivement sur des périodes où il fait très beaucoup d'ensoleillement en fait qui fait beau soleil, on a même un surplus qui va être réintégré au réseau en fait du concessionnaire. Donc le bâtiment est totalement autonome. Tout à fait. C'est un investissement qui est extrêmement rentable, mais sur combien de temps? En général, un projet comme ça, c'est souvent rentable sur 5-6 ans, en fait. C'est vrai qu'aujourd'hui, on peut avoir des projets comme ici de 5-6 millions et avec une économie d'un million par an, en fait, sur 5-6 ans, on a une enveloppe qui est complètement neutre, en fait. Ah oui, donc c'est vraiment très intéressant. C'est très intéressant. Est-ce qu'il y a d'autres projets de photovoltaïque sur des bâtiments de la commune? Oui, tout à fait. Et ces trois bâtiments, donc c'est la maternelle, la chambre funéraire et la médiathèque. Et aujourd'hui, on espère que bientôt, cette commune aura un maximum de bâtiments avec de l'utilisation de l'énergie, mais renouvelable, quoi. C'est une commune qui est très en avance. Oui, tout à fait. À plusieurs niveaux, en lien avec l'environnement et la transition énergétique, ils sont vraiment très en avance. Alors toi, Céline, aujourd'hui, donc, tu es à cette étape d'audit. On a vu ce qui avait été pris en compte déjà dans la construction du bâtiment. Mais qu'est-ce que tu as noté comme élément qu'il faudrait modifier, améliorer pour optimiser la consommation d'énergie dans ce bâtiment? Alors c'est vrai que l'énergie renouvelable c'est bien, mais il faut aussi penser à la sobriété et des fois c'est des petits gestes en fait de fermer une porte quand on climatise son bureau, il faut penser à fermer son bureau parce que du coup la climatisation c'est pour l'extérieur donc c'est pas le but. Il y a aussi l'éclairage, éteindre son bureau quand on quitte et il y a des petites choses aussi que moi avec mon regard d'énergéticienne je vais pouvoir effectivement apporter des conseils de placement du photocopieur dans une pièce qui est climatisée, mais la porte reste souvent ouverte parce que très utilisée par le photocopieur. Donc tous ces petits gestes de sobriété, on essaye de travailler avec les usagers. Et puis après aussi, il peut y avoir des appareils aussi très consommateurs. Donc là, on appelle ça de l'efficacité énergétique. Des appareils qui sont un petit peu vieillissants ou des choses comme ça. Et là, en fait, il est conseillé pour la commune de les changer, de les renouveler. Et on essaye de mettre tout ça un petit peu en application et de faire un plan d'action dans le temps. En fait. Donc les maîtres mots, c'est vraiment sobriété, efficacité. Voilà, et après énergie renouvelable. Tu t'occupes également de la gestion du parc automobile de la mairie, notamment pour optimiser son utilisation, mais également pour développer une mobilité plus propre. Effectivement, comme l'électricité, les énergies ou l'eau, on part des factures énergétiques du carburant. Et puis là, on essaye effectivement de travailler sur les véhicules, comment ils sont utilisés en fait. Et pour essayer de faire un plan de déplacement avec la commune, essayer d'optimiser chaque véhicule en fait, tous les déplacements. Et puis éventuellement, sur les petits trajets, essayer de trouver d'autres solutions plus propre et comme par exemple l'investissement qu'a fait la commune de Koumac sur deux vélos électriques en fait pour les petits trajets et du coup aujourd'hui ils sont à disposition et ils sont éventuellement rechargés par de l'énergie renouvelable qui est le photovoltaïque à la mairie. Est-ce qu'on peut aller les voir? Eh ben alors c'est parti. Allez, je te suis. Donc voilà Elisabeth, les deux vélos de Koumac de la commune. Ce sont deux vélos électriques qu'on trouve tout à fait. Qui sont destinés à qui? Alors ce sont deux vélos en fait destinés aux plaisanciers quand ils arrivent par leur bateau et qui veulent se rendre par exemple en centre-ville. Donc ils peuvent utiliser ces vélos. D'accord, très bien. Bon, voilà. J'ai envie de les essayer en tout cas. Eh bien on est parti alors. On retourne. On rentre à la mairie avec. C'est parti.
comment réduire la consommation d'énergie au sein d'une usine de transformation agroalimentaire, justement très gourmande en énergie. Rendez-vous à Dumbéa, dans les locaux de la société Cifray, où son gérant, Gilles Lecoindre, nous fait visiter ses installations. Bonjour Gilles. Bonjour Elisabeth, bienvenue chez Cifray. Merci. Alors Cifray, c'est une industrie de transformation agroalimentaire. C'est ça, donc c'est une entreprise relativement citoyenne puisque vous êtes engagé à utiliser des produits locaux dès que vous le pouvez. Mais vous avez également une démarche d'efficacité énergétique. En quoi ça consiste exactement dans votre entreprise ? Oui, alors déjà une entreprise citoyenne parce qu'on essaie effectivement de prendre le maximum de produits en local. Je pense qu'on a chacun d'entre nous un rôle à jouer pour créer le maximum de valeur ajoutée sur le territoire. Et puis sur la partie énergétique, en fait, nous, dès le départ, le projet de Cifray, ça a été vraiment de construire une usine qui soit le moins consommatrice d'énergie, autant que possible. Vous voulez dire que dès la construction de votre bâtiment, vous avez pris en compte l'aspect énergétique ? Oui, dès le démarrage, à la fois sur le positionnement de l'entreprise, sur par exemple des endroits où la lumière peut passer, alors que généralement sur des docks tels que les nôtres, c'est souvent très fermé. Tout ça pour effectivement faire des économies d'électricité et d'éclairage, etc. Et puis bon, parce que aussi c'est plus agréable, même à titre humain, d'avoir un éclairage naturel plutôt que des lumières artificielles. Voilà, donc à cela, bien évidemment, l'ensemble des machines sont de classe A, ce qui nous permet d'avoir un bon rendement énergétique. Et puis, par exemple, sur la gestion de l'eau également, notre eau chaude provient en fait de la récupération de la chaleur que le froid peut nous apporter. Vous avez été accompagné dans cette démarche ? Oui, on a fait un premier diagnostic en fait dès le démarrage. On a été d'ailleurs aidé que ce soit par l'ADEME, on a eu un crédit graines qui nous ont permis en fait effectivement aussi d'avancer un petit peu dans ce domaine-là. On peut visiter cette usine ? Bien évidemment. Je vous en prie. Qu'il n'y ait aucun microbe qui vienne dans cette usine. Chez Cifray, en fait, il y a plusieurs salles. Et donc, chaque salle a une température différente en fonction des besoins. Donc, si on fait du snacking, on va être à 10 degrés, voire même un petit peu en dessous. Si on est dans la cuisine, on va être sur une température plutôt ambiante. Si on est dans la salle des pâtes, on va être sur une température qui va être de l'ordre de à peu près de 20 degrés. En fait, tout dépend de ce que vous faites comme produit et comme production. Là, nous allons arriver donc dans la salle des pâtes fraîches. Voilà. En fait, pour prendre en compte l'efficacité énergétique de toute votre chaîne de production, parce que vous avez un nombre très important de machines, ouais. Comment vous maîtrisez l'énergie ? Alors, en fait, cette maîtrise de l'énergie, il faut la réfléchir dès le démarrage de la société. Donc là, par exemple, on est sur des panneaux isothermiques de 120. Alors qu'en fait, on aurait très bien pu se contenter de panneaux isothermiques de 60 cm. Et donc le fait d'avoir, par exemple, une épaisseur plus importante vous permet d'éviter de perdre de l'énergie. Ça, c'est le premier point. La deuxième chose, c'est le matériel. Vous voyez, par exemple, ce type de matériel. Qu'est-ce que c'est ? C'est une grosse clim, on va dire. Bien évidemment, on prend uniquement du matériel de qualité. Est-ce que ça veut dire que c'est un investissement plus important au départ ? Ce sont des machines qui coûtent plus cher parce qu'elles ont une meilleure efficacité énergétique ? Oui, incontestablement, le prix est plus élevé. Mais aujourd'hui, on s'aperçoit que l'électricité et l'énergie est tellement chère qu'à moyen et long terme, l'industriel s'y retrouve. Et puis, il ne faut pas oublier aussi, tout simplement, je pense qu'on a tous un rôle à jouer, qu'on soit particulier, entrepreneur dans l'économie d'énergie, pour qu'effectivement, on n'abuse pas des ressources de la planète. Et je pense que de toute façon, c'est un bon investissement de prendre du matériel qui consomme peu. Parce que si on veut laisser à nos enfants, en tout cas, une planète à la fois propre, et que l'on puisse réduire notre empreinte carbone, eh bien c'est un investissement nécessaire. Alors là, ça sonne, c'est-à-dire que le pain va sortir du four. Vite.
Là, il fait nettement plus chaud, il fait à peu près une quarantaine de degrés. Et effectivement, c'est très consommateur d'énergie, hein, les fours. Alors, c'est à proximité de pièces climatisées. Donc, l'isolation que vous avez choisie permet justement qu'il n'y ait pas de déperdition d'énergie. Oui, tout à fait. L'isolation entre cette pièce qui est extrêmement chaude et de l'autre côté qui est climatisée à peu près 22-23 degrés, c'est extrêmement important. Donc, c'est le double, c'est presque 40 degrés. C'est pratiquement le double. Hein. C'est une pièce qu'on a mis un petit peu à l'écart, qu'on mutualise entre la pâtisserie et la boulangerie de façon à éviter que ça réchauffe l'ensemble des autres pièces. En fait, non seulement le matériel est un élément fondamental, mais il y a également, pour éviter les pics de consommation d'électricité, il est important de faire un diagnostic. Et pour ça, vous avez soit chez EEC, soit Enercal, des conseillers qui peuvent venir et avec lequel vous allez pouvoir regarder exactement quelles sont les heures et les jours où vous avez ces fameux pics, et essayer ensuite de rebasculer certaines productions à des moments où effectivement il y a moins besoin, afin d'avoir un besoin d'électricité plus linéaire. Et donc nous, ça nous a permis en fait de faire jusqu'à plus de 15% d'économie d'énergie, ce qui est évidemment extrêmement important sur une structure telle que la nôtre. Quelles sont les contraintes d'une dépendance énergétique ? Quelles énergies renouvelables vont à terme pouvoir rendre la Nouvelle-Calédonie totalement autonome et à quelle hauteur ? Direction la Maison de la Biodiversité, où Hubert Géraud du WWF nous explique la philosophie négawatt et nous parle des pistes pour l'avenir. Hubert, aujourd'hui nous allons parler énergie. Alors actuellement la Nouvelle-Calédonie est fortement dépendante des énergies fossiles. Quelles en sont réellement les contraintes ? La première contrainte, c'est qu'en Nouvelle-Calédonie, on ne produit pas d'énergie fossile. On n'a pas de mine de charbon ou de puits de pétrole. Donc cette énergie, la première contrainte, c'est de la faire venir. Donc elle vient de l'extérieur, avec parfois des problèmes d'approvisionnement. La deuxième contrainte, c'est son prix. Tu vois, en ce moment, par exemple, le pétrole est très bas. Demain, tu peux te réveiller, il sera très haut pour une question de guerre dans le monde ou autre. Donc on ne contrôle pas du tout son prix, qui peut être très fluctuant également. Donc c'est une double dépendance. C'est une double dépendance, exactement. Et pourtant, la Nouvelle-Calédonie a tout ce qu'il faut pour développer les énergies renouvelables. On peut le voir avec la météo extraordinaire qu'on a aujourd'hui. On est très gâtés de ce côté-là et je te propose d'ailleurs d'aller voir ça sur une maquette du CIE. Très bien. Donc voilà cette maquette du CIE qui te présente les énergies renouvelables sur le territoire. Donc on a la chance en Nouvelle-Calédonie d'avoir plus de 3000 heures d'ensoleillement par an. Donc on a un potentiel pour le photovoltaïque qui est énorme, principalement sur la côte ouest et aux îles. Mais on a également l'éolien avec des alizés réguliers. Alors que tu as par exemple des parties du monde où tu as des vents irréguliers ou peu de vent. Donc là, on est assez gâté de ce côté-là. Vent irrégulier. Et on a également des reliefs. Donc on n'est pas dans la plaine de la Beauce. On a des reliefs et des possibilités dans certains endroits et à certaines conditions de faire de l'hydroélectricité. Alors c'est l'objectif du schéma pour la transition énergétique pour la Nouvelle-Calédonie. C'est justement de rendre le secteur de la distribution publique autonome et alimenté que par des énergies renouvelables. Je te propose de regarder cela en détail. L'objectif fixé par le schéma de la transition énergétique pour la Nouvelle-Calédonie est d'avoir, d'ici 2030, une production d'énergie d'origine renouvelable équivalente aux besoins de la distribution publique. Celle-ci comprend les ménages, les entreprises, les petites industries et l'éclairage public hors secteur métallurgique. Compte tenu des autorisations d'exploiter délivrées sur les 4 dernières années, cet objectif sera atteint dès 2025, soit avec 5 ans d'avance. La production renouvelable atteindra alors 928 gigawatts et la répartition sera la suivante. L'énergie solaire à hauteur de 44%, l'énergie hydraulique 37%, l'énergie éolienne 18% et la biomasse 1%. Le grand défi sera toutefois dans les années à venir d'arriver à alimenter le secteur métallurgique avec 100% d'énergie renouvelable. Comme on vient de le voir sur cette animation, le grand défi pour l'avenir, c'est d'arriver à alimenter le secteur métallurgique uniquement avec des énergies renouvelables. Mais est-ce que cela est possible ? Ben oui, c'est possible et puis c'est même un devoir. Aujourd'hui, le secteur mini-métallurgie
plombe la note carbone de la Nouvelle-Calédonie et fait de nous un des territoires de la planète les plus contributeurs, par tête d'habitant bien sûr, en gaz à effet de serre. Et c'est de plus en plus possible technologiquement, ça demande plusieurs choses. Ça demande de rénover le réseau de distribution pour lui permettre d'absorber toutes ces énergies renouvelables. Ça demande également de stocker l'énergie, parce que pour pallier à l'intermittence des énergies, le soleil ne brille pas 24 heures sur 24, les vents ne soufflent pas 24 heures sur 24, un petit peu en ce moment d'ailleurs. Et puis il y a un troisième chantier possible qui est du côté des métallurgistes, qui est celle de pouvoir baisser la charge de leur four pour s'adapter aux contraintes du réseau, que ce ne soit pas toujours le réseau de distribution qui s'adapte aux contraintes du métallurgiste. Il y a les deux à faire. Puis Elisabeth, il y a un deuxième chantier. Il y a celui des énergies renouvelables dont on vient de parler, mais il y a aussi celui de la maîtrise de l'énergie. La philosophie négawatt, c'est sobriété, efficacité, énergie renouvelable. Et la maîtrise de l'énergie, c'est lié à la sobriété et à l'efficacité. Ce n'est pas parce que tu produis de l'énergie verte, de l'énergie renouvelable, que tu dois la gaspiller. Et puis d'un point de vue économique, plus tu es efficace dans l'utilisation de ton énergie, et moins ton coût de production est élevé. Donc c'est aussi de la compétitivité d'un point de vue économique. Y a-t-il un autre secteur que la métallurgie pour lequel la maîtrise de l'énergie est très attendue ? Je peux citer par exemple, oui, le bâtiment. En Nouvelle-Calédonie, on entend parler depuis maintenant 11 ans d'un projet de réglementation énergétique des bâtiments. Le premier projet a été déposé sur la table des décideurs en 2009 et ça n'aboutit toujours pas. Il est important de faire des bâtiments qui soient le moins énergivores possible. En métropole, on a un enjeu qui est de garder la chaleur. Nous, dans les bâtiments, nous, on a en Calédonie l'enjeu de garder la fraîcheur. Et pour ça, il faut de la réglementation. Ce dont on entend parler, c'est une norme de performance énergétique aujourd'hui. Et les normes de performance énergétique, ce sera basé sur du volontariat pour s'engager dedans. Et vu l'enjeu, je pense qu'il est vraiment important que ce soit cadré réglementairement pour que ça s'impose à l'ensemble du secteur du bâtiment et que ce ne soit pas seulement certains acteurs qui se lancent dans cette contribution attendue. Qu'est-ce que nous pouvons faire chacun à notre niveau, à l'échelle individuelle, pour participer à cette maîtrise de l'énergie, Hubert ? On peut faire des choses, plein de choses, et tous les jours, dans ton quotidien, à la maison, au bureau, dans tes déplacements. Une chose intéressante et qui est maintenant possible en Calédonie, on a une étiquette énergétique Nouvelle-Calédonie sur le matériel électroménager, par exemple. Donc quand tu vas acheter un frigo, une machine à laver, etc., eh bien, c'est important de se baser sur ce classement. Pour éviter des classes B, C, D qui sont très énergivores et sélectionner du A. Du A qui veut dire moins de consommation électrique. C'est plus cher à l'achat, mais tu t'y retrouves sur ta facture électrique. Tu peux également, en termes d'écomobilité, on a la chance d'avoir un site covoiturage.nc qui connecte des gens qui ont de la place dans leur voiture avec des gens qui n'ont pas de voiture et qui ont des trajets à faire. Tu peux également rejoindre, si ce n'est pas encore fait, l'association Droit au vélo qui se bat, qui se mobilise pour développer la place du vélo en ville. Voilà. Elisabeth, on ne va pas se quitter sans un petit cadeau que je tenais à te faire, en lien bien sûr avec le thème de l'émission. C'est un chargeur solaire. Et un chargeur solaire que tu vas pouvoir emmener sur le lagon. Je sais que tu adores faire de l'apnée dans le lagon. Ça va te permettre de recharger que ce soit une lampe ou ton téléphone pour rester en sécurité en lien avec tes amis. Oh, merci beaucoup, c'est un cadeau formidable et ça sera mon geste pour le caillou et je le mets tout de suite à charger. Merci beaucoup Hubert. Merci à toi. Merci et merci à notre partenaire, le WWF, Hubert Géraud, donc pour cette magnifique séquence pédagogique. Et d'ailleurs, je lui ai demandé de me rejoindre à la chaire. Et puis, merci également à l'Agence calédonienne de l'énergie qui est partenaire de cette émission. Et donc à André Boudard, son directeur, qui va également venir me rejoindre.
Merci à Céline Latu, conseillère en énergie partagée, donc d'avoir également participé à ce tournage. Et qui fait un métier finalement assez peu connu. Et puis, je vais demander donc aux autres intervenants de me rejoindre, à Bastien Morvan, donc, qui est chef du service de l'énergie à la DIMINC, à Jean-Gabriel Fagé, donc, qui est directeur général d'Enercal, Philippe Merenberger, directeur général délégué d'EEC, et Loïc Martin-Cochet, donc, qui représente le cluster Synergie, et Alexandre Pelletier, qui est climatologue à Météo France. Voilà, le temps que tout le monde s'installe, je voulais juste vous dire un petit mot pour ceux qui auront envie de rester après le ciné-débat et venir tester les deux vélos que vous voyez ici. C'est un petit clin d'œil qu'on fait ce soir à l'énergie cinétique. Vous avez un vélo qui vous permet de faire votre lessive, hein, ça peut être sympathique, et puis un vélo qui vous permet de recharger téléphone, tablette, etc., et qui fait aussi plein d'autres choses. Mathias et Georgina, c'est ça, seront là pour vous après le débat, pour venir vous les expliquer, puis vous pourrez les tester également. Donc c'est parti pour 1h30 d'échange. Alors avant de commencer, de vous laisser la parole pour poser des questions, j'aimerais juste demander à notre climatologue, donc Alexandre Pelletier, de nous replacer la transition énergétique dans son contexte de changement climatique. Je ne vais pas en reparler trop dans le détail parce que vous connaissez tous à peu près le sujet. Je vais juste vous donner un chiffre important, donc c'est la production d'émissions de gaz à effet de serre d'un Calédonien par an. Vous connaissez ce chiffre? Est-ce que quelqu'un le connaît? Alors, c'est autant qu'un habitant des États-Unis ou du Canada, c'est plus qu'un habitant d'Arabie Saoudite ou du Koweït, et c'est pas très loin d'un habitant du Qatar. C'est 28 tonnes par habitant et par an. Et en comparaison, un habitant du Qatar, c'est 37 tonnes. Vous voyez, on n'est pas très loin. Et tout ça, on fait de nous un gros contributeur aux émissions de gaz à effet de serre qui influent sur le changement climatique. Et donc, Alexandre Pelletier, ce soir, j'aimerais vous demander... Oui, c'est moi, oui. Quelles sont les données qu'on a sur la Nouvelle-Calédonie, parce qu'on a beaucoup de données à l'échelle mondiale, mais quelles sont les données qu'on a aujourd'hui sur le changement climatique, et notamment l'augmentation de température, oui, en Nouvelle-Calédonie? Alors, c'est pas encore le climat du Qatar, hein, je vous rassure, mais c'est vrai qu'en Nouvelle-Calédonie, hein, on n'est pas à l'abri du réchauffement climatique. Alors peut-être que certaines personnes ignorent, mais par exemple, j'aimerais prendre un exemple très simple. Alors moi, je sais pas vous, mais moi, j'adore cette période de l'année. Il fait relativement frais là, en ce moment. Par exemple, si vous prenez les températures d'hier, hier, à Nouméa, il a fait à peu près 16 degrés. 16 degrés, c'est une température qui est sympathique. On dort bien la nuit, etc. C'est vrai que c'est sympa. Et bon, il faut savoir qu'à peu près, au cours des 10 dernières années, cette température de 16 degrés, on l'a atteint à peu près 20 fois par an. Et si on remonte dans le temps, si on se replace ce qui passait dans les années 60, peut-être que des personnes s'en rappellent ici dans la salle, mais dans les années 60, ces 16 degrés à Nouméa, ce n'était pas 20 jours par an, c'était 60 jours par an, en moyenne. Donc on voit que le climat calédonien s'est réchauffé, et on estime à peu près que... Alors, j'ai donné ces chiffres, ça concerne Nouméa, mais c'est exactement la même chose dans toute la Nouvelle-Calédonie. Par exemple, je ne sais pas si vous avez lu les nouvelles la semaine dernière, on parlait aussi d'un record de température à Wailou. On a frôlé les 30 degrés, et c'est un record absolu pour Wailou pour un mois d'août. Dépasser 29 degrés à Wailou au mois d'août, c'est arrivé, on va dire, 10 fois depuis le début des mesures à Wailou, depuis 1965. Et les 8 dernières fois que c'est arrivé, c'était au cours des 15 dernières années. Donc on voit que le climat de la Nouvelle-Calédonie s'est réchauffé, et il va continuer à se réchauffer sous l'effet du réchauffement climatique. Et ça, ça,
ça a un impact sur notre, nos dépenses, par exemple, de tous les jours, le réchauffement climatique. Si vous prenez, par exemple, tout à l'heure, on voyait le monsieur de l'entreprise qui parlait de chambres isothermes où, dans lequel il doit maintenir une température de 25 degrés. Si on prend sa chambre isothermique, on la place dans le climat des années 60, et ensuite on se retourne vers EEC, enfin à l'époque c'était plutôt une ELCO, on lui demande la facture, et on verrait une différence de facture qui est en gros de 30 à 40%. C'est-à-dire que dans les années 60, on dépensait beaucoup moins d'énergie pour maintenir une température confortable dans les pièces. Voilà. Donc tout ça, ça illustre bien que le climat de la Nouvelle-Calédonie a changé, et le principal signal aujourd'hui qu'on est capable de détecter, c'est sur la température. Voilà. Il y a des projections également qui ont été faites dans le cadre d'une thèse, des projections sur le climat à l'horizon 2100, oui. Et qui sont pas très réjouissantes. Oui, alors effectivement, alors tout ça, ça demande bien évidemment à être étayé par d'autres études, parce que nous, ce qu'on aime bien quand on est scientifique, c'est de faire des études pour être vraiment sûr de ce qu'on avance, surtout quand il y a un enjeu derrière et qu'il y a un enjeu, on va dire, économique aussi, environnemental. Et c'est vrai que, à l'horizon 2100, alors si vraiment on prend le scénario du pire, hein, c'est-à-dire que là, dans le monde, on ne fait rien pour endiguer l'augmentation des gaz à effet de serre, sur la Grande Terre de la Nouvelle-Calédonie, par exemple, peut s'attendre à des hausses de température par rapport à la période actuelle de 3 voire 4 degrés. Donc par rapport au 1 degré qu'on a connu au cours des 50 dernières années, vous voyez qu'on est tout de suite dans un autre climat si on se projette à l'horizon 2100. Mais bien évidemment, tout ça, ça va dépendre aussi des solutions qui seront apportées au cours dès aujourd'hui et puis au cours de ce siècle pour endiguer, parce que l'augmentation des gaz à effet de serre, puisque on peut très bien avoir une augmentation de l'ordre de 1 voire 2 degrés. Et donc c'est un climat qui est quand même beaucoup plus acceptable pour l'humanité qu'avec 3 voire 4 degrés en plus. D'autant que la température, c'est pas non plus le seul signal où le changement climatique va jouer. Donc aujourd'hui, on voit pas grand-chose, hein, pour les précipitations notamment. Il n'y a pas de zone de la Calédonie qui s'est véritablement asséchée ou humidifiée au cours des dernières décennies. Par contre, les prévisions que l'on fait, les projections à l'horizon 2100, c'est quand même un assèchement généralisé, donc avec des déficits qui seraient de l'ordre de 30, voire 40%. Et donc ça, c'est des déficits importants. Alors, bien évidemment, ça, c'est un des premiers résultats, une étude, et qui conviendra, bien évidemment, d'étayer par d'autres études. Et c'est tout l'enjeu, là, des années à venir pour les scientifiques, c'est d'affiner vraiment ces simulations pour les rendre, parce que là on parle de température, de précipitation, mais ça veut dire quoi concrètement pour la facture d'électricité, ça veut dire quoi pour le remplissage du barrage de Yaté. Donc ça, c'est des études d'impact qui va falloir mener, et c'est tout l'enjeu scientifique là de ces prochaines années. Ouais. Merci Alexandre. Alors justement, le schéma pour la transition énergétique de la Nouvelle-Calédonie est une contribution pour lutter contre les effets du changement climatique, notamment des gaz à effet de serre. Donc il s'articule autour de trois grands volets. Donc l'augmentation de la part des énergies renouvelables avec pour objectif, on l'a vu dans l'émission, dans l'animation 3D, donc de couvrir la distribution publique à 100% avec des énergies renouvelables. On a ensuite, en deuxième objectif, la réduction de nos consommations d'énergie, et enfin la réduction de nos émissions de gaz à effet de serre. Donc là, André Boudard, c'est une question pour vous. Donc comment maintenant on va s'attaquer à ce deuxième volet qui est la réduction de notre consommation, de nos consommations d'énergie? Alors, l'objectif, c'est moins 20% sur la consommation primaire et moins 25% sur la consommation finale. Est-ce que vous pouvez nous l'expliquer? Oui, merci Elisabeth. Donc effectivement, vous avez pu constater à la diffusion de ce film que les institutions, donc, et notamment, enfin surtout le gouvernement, ont entamé la démarche de transition énergétique du territoire en actionnant, je dirais, le levier le plus facile et le plus rapide à mettre en œuvre. Je veux dire par là,
le développement des énergies renouvelables. Quand on parle d'une autonomie de la distribution publique, il faut savoir que cela représente exactement un quart, donc 25% de l'énergie électrique totale consommée sur le territoire. Les 75% restants sont consommés par le secteur des mines et de la métallurgie. Ça pose le débat. Donc, avec l'action qui a été engagée depuis maintenant, principalement depuis 2017, on sera donc autonome au niveau de la distribution publique à l'horizon 2024-2025. Maintenant, effectivement, comment réduire les consommations d'énergie? On a coutume de dire, c'est une maxime que l'on retrouve partout dans le secteur de la transition énergétique, le kilowatt le moins cher, c'est celui qu'on ne consomme pas. Mais pour pouvoir, encore une fois, engager une véritable démarche de maîtrise de la consommation d'énergie, c'est quelque chose qui nécessite un engagement global. C'est pas simplement, j'ai envie de dire, les institutions ou les entreprises, c'est également les consommateurs dans leur comportement. Les entreprises, on l'a vu, il y a des chefs d'entreprise qui sont très proactifs sur le sujet, et les institutions, c'est une démarche aujourd'hui qui est engagée. Ça a eu au moins cet effet de démarrer par le développement des ENR, c'est qu'il y a eu une véritable prise de conscience au niveau des collectivités locales, des communes, des provinces et de l'institution centrale, l'administration centrale, c'est qu'il faut maintenant effectivement travailler sur des plans de maîtrise de l'énergie. Ça va être plus long, ça va être plus compliqué parce que, comme on l'a vu ce film, ça nécessite clairement une modification des comportements. Et ça va nécessiter également des investissements qui ne vont pas être neutres. Donc pour cela, il faut mettre en place non seulement des actions visant à limiter la consommation d'énergie, mais également des incitations, une réglementation qui soit incitative et qui permette notamment aux entreprises de s'engager de plus en plus dans ce type de démarche. Et puis, bien entendu, l'autre enjeu, on l'a bien compris, c'est de travailler sur le secteur d'activité le plus important de la Nouvelle-Calédonie, c'est-à-dire la mine et la métallurgie du nickel. J'avais une question par rapport à ça, André. C'est est-ce qu'on ne peut pas imaginer un schéma avec plus d'ambition et entre autres particulièrement l'intégration d'une vision de sortie des énergies fossiles, parce que c'est quand même le gros objectif, le gros enjeu mondial fixé par le GIEC, c'est de laisser au moins 85% des énergies fossiles dans le sous-sol. Et est-ce que ça ne peut pas être quelque chose qui soit affiché? Alors je comprends que ce soit difficile et technologiquement et financièrement, ça va demander beaucoup de moyens, mais il n'empêche que c'est une ambition nécessaire au niveau planétaire. Et de le mettre en objectif, est-ce que c'est dans 15 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, et de voir après quels sont les pas technologiques, financiers, etc., pour accompagner cette trajectoire, cet objectif avec ces étapes. Est-ce que ça peut être rénové? Je sais que l'accord de Paris, on n'est pas dedans. La France n'est pas alignée sur l'ambition de l'accord de Paris, malheureusement. On espère qu'après les élections américaines, peut-être que les États-Unis reviendront dans l'accord de Paris. Nous, on n'y est pas, mais on peut tout de suite s'aligner sur cet accord de Paris, l'intégrer en chapeau du schéma de transition énergétique de la Calédonie et se dire, oui, on va sortir des énergies renouvelables. Voilà le chemin, voilà le réalisme qu'il faut avoir. Et vous êtes les sachants, je n'en suis pas un sur le domaine, mais voilà le chemin. Aujourd'hui, ce qui nous manque, en tout cas, pour le WWF, c'est le chemin pour sortir des énergies fossiles. Alors, je vais apporter premiers éléments de réponse, mais je vais laisser également après Bastien nous parler d'un sujet qui est à l'ordre du jour, en tous les cas à partir de maintenant et pour l'année 2021. Il s'agit de la mise à jour, ce qu'on appelle la mise à jour du schéma de transition énergétique. On a effectivement démarré, comme j'ai dit tout à l'heure, par le levier le plus facile à engager. Maintenant, travailler sur la maîtrise de la consommation d'énergie,
C'est quelque chose, je ne vais pas me répéter, mais qui va prendre du temps et des moyens, mais qui va pouvoir être accessible de plus en plus, je dirais, ou de moins en moins difficilement, du fait notamment de l'innovation technologique permanente dans le domaine de la transition énergétique, qui permet effectivement aujourd'hui à tous les opérateurs, qu'ils soient des particuliers ou qu'ils soient des opérateurs économiques ou des administrations, de pouvoir, encore une fois, s'engager dans une démarche de maîtrise de transition énergétique. Tout à l'heure, je disais que l'enjeu, effectivement, d'en parler, c'était de travailler avec les métallurgistes pour les amener vers cette démarche de transition énergétique. Le gouvernement, et notamment les services qui travaillent au sein du gouvernement, ont engagé depuis cette année une réflexion bon, qui est partie de vous savez, le remplacement de la fameuse centrale SLN. Et on travaille aujourd'hui sur ce qu'on appelle une stratégie alternative qui vise, d'ici 10 ans, 15 ans, à verdir de plus en plus la métallurgie du nickel. C'est pas simplement la centrale de la SLN, c'est également l'opérateur KNS, c'est aussi l'usine de Valais dans le sud. Alors, on peut effectivement se raccrocher au schéma, enfin, ce que tu as accueilli, aux accords de Paris, mais je pense que nous avons des problématiques spécifiques ici en Nouvelle-Calédonie qu'on ne retrouve, en tous les cas en ce qui concerne la France, nulle part ailleurs dans un territoire, ce qu'on appelle une zone non interconnectée, c'est-à-dire un territoire ilien. Vous avez effectivement les DOM-TOM, la Polynésie française, qui sont des territoires qui n'ont pas une industrie métallurgique aussi développée que la nôtre. Et ces approches sont véritablement spécifiques à la Nouvelle-Calédonie. On doit travailler sur le sujet, mais encore une fois, ça nécessite un engagement à tous les niveaux. Alors je vais peut-être laisser répondre ou apporter des compléments par d'autres intervenants ici sur le podium. Donc Bastien, tu veux peut-être compléter ? Oui, alors, petite modification, effectivement, le congrès de la Calédonie en 2016, si ma mémoire est bonne, avait quand même voté ce vœu que la Nouvelle-Calédonie puisse s'associer au sein de la France aux accords de Paris. Et le schéma pour la transition énergétique qui avait été voté en 2016, donc constituait la contribution de la Nouvelle-Calédonie. Pour aller dans le prolongement de la question posée par Hubert, en fait, je pense que ça renvoie à une question de maturité d'un territoire. Pour l'illustrer, je rappellerai quelques éléments d'histoire. Le schéma pour la transition énergétique, il a été voté en 2016. Et les premiers travaux ont commencé en 2009-2010. Il s'est passé 6 ans pour que notre territoire puisse collectivement, donc aussi bien société civile, partenaires techniques, entreprises, élus, pour, je dirais, accoucher de ce schéma pour la transition énergétique qui était le premier exercice du genre et pour lequel, bah forcément, puisque c'était le premier exercice du genre, il a fallu trouver, faire beaucoup de concessions et obtenir un consensus. Mais malgré tout, depuis ce schéma et par rapport à ce qui se passe jusqu'à présent, on peut quand même s'en féliciter parce que même si certains l'ont jugé trop ambitieux, ou d'autres considéraient qu'il était inatteignable, notamment du point de vue des énergies renouvelables, où on s'entendait dire que ça coûterait trop cher, que ce n'est pas possible de se fixer de tels objectifs. Eh bien, bah, finalement, aujourd'hui, ce schéma, il a eu le mérite quand même de, je pense, débloquer pas mal de situations. C'était la première fois, finalement, que les élus concrétisaient un peu leur vision à travers un document. Et il y a encore quelques mois de ça, lorsqu'on présentait les résultats de ce schéma au Congrès de la Nouvelle-Calédonie, certains élus se félicitaient en se disant, bah, comme quoi c'est possible de rédiger un schéma de ce type, de se projeter dans le temps, et puis surtout d'atteindre les objectifs qu'on s'est fixés. Donc, ce schéma pour la transition énergétique, il a été bâti de manière un peu empirique, parce que finalement, on s'est dit, notamment du point de vue de la consommation énergétique, on s'est dit, bah voilà, on est en 2000, alors ça a commencé en 2010, en 2016, on se projette à 2030, et on s'interroge sur ce que serait la consommation énergétique en 2030, si aucune politique volontariste n'était mise en œuvre. Donc là, on a fait appel à des prestataires, des experts qui nous ont aidés à construire cette courbe de la consommation énergétique qui était bâtie finalement sur la tendance observée dans le passé et projetée dans l'avenir. Donc ça, c'était le scénario tendanciel. Et puis, on a élaboré un scénario dit alternatif, dit de maîtrise de l'énergie,
en disant de manière encore une fois très pragmatique, très empirique, dire, voilà, il y a tel et tel outil qui n'existe pas aujourd'hui en Calédonie, une réglementation énergétique des constructions, des contrôles techniques sur les véhicules automobiles, d'autres encore. Si on les met en œuvre, eh bien, on peut espérer que ça donne tel et tel résultat, et donc on aurait cette consommation énergétique alternative. Vous voyez, c'est une approche très presque scientifique, j'ai envie de dire. Pour répondre à la question d'Hubert, j'y viens. Je pense qu'on a acquis une certaine maturité. On a vécu ce premier schéma. Je pense qu'aujourd'hui, dans ce que moi j'entends et je perçois des élus qui auront, eux, à prendre la décision, je pense qu'effectivement, ils veulent aller un peu plus loin. C'est-à-dire que déjà, ils veulent cibler davantage leur action. Hein, le schéma pour la transition énergétique, il est doté de 91 pistes d'action. 91. Ne serait-il pas plus judicieux de se limiter, puisque ce schéma est revu tous les 5 ans, qu'à peut-être 5 ou 6 actions dont on s'assure qu'elles seront mises en œuvre ? Et puis, sur la notion d'objectif chiffré, je pense que ce qui commence à prendre forme dans les esprits, c'est que plutôt que s'appuyer sur une démarche très pragmatique, eh bien, il peut être intéressant, comme ça a pu être constaté sur d'autres territoires, que des objectifs politiques, finalement, soient fixés, et que ces objectifs politiques, en fait, emportent, d'une certaine manière, tout le monde. Soit à l'origine des innovations, soit à l'origine des efforts faits par les entreprises, à l'origine des efforts faits par les particuliers. Donc je pense qu'effectivement, ce nouveau schéma qui doit voir le jour normalement en 2021, il s'inscrira dans cette deuxième génération de schémas avec une approche, je pense, différente parce qu'on aura acquis cette expérience du schéma pour la transition énergétique qui, sous certains aspects, était certes pas parfait, mais sur lesquels aujourd'hui on peut s'appuyer pour franchir un cap supplémentaire. Merci beaucoup. Est-ce qu'un autre intervenant veut dire quelque chose sur le sujet avant que je passe la parole au public ? Écoutez, je vous passe la parole. Alors, on va vous apporter un micro. Valentin, s'il te plaît. Merci. Bonjour, je m'appelle Benjamin, je ne suis pas du tout dans l'énergie, mais c'est un sujet qui m'intéresse parce que je m'intéresse à la résilience de manière assez large. Du coup, j'aurais une question, je trouve ça très bien que la Nouvelle-Calédonie aille sur les énergies renouvelables, c'est un très bon premier pas. Mais j'ai une question par rapport à la résilience du pays, du coup, vis-à-vis de ces énergies. C'est-à-dire que, si j'ai bien compris, jusqu'à la mise en place de ce schéma et l'atteinte en 2025 des objectifs, on était dépendant du pétrole, on sera toujours sur la métallurgie si je le comprends bien, mais du coup, est-ce qu'on ne va pas être dépendant des fournisseurs justement du matériel qu'il va falloir remplacer sur les énergies renouvelables, je pense aux photovoltaïques, je pense aux éoliennes, etc. On va avoir cette même dépendance, et on peut même, je vais même pousser la question un poil plus loin, c'est à mettre des fermes d'éoliens ou des fermes de photovoltaïques. Est-ce qu'on n'est pas toujours sur une problématique de résilience individuelle, du coup ? Et là, je parle plus des individus, en termes de réseau. Donc là, ce serait plus une question pour Enercal ou pour EEC. Ça, c'est fait. Je pensais que vous alliez aborder la question de la résilience par rapport aux événements climatiques exceptionnels de type cyclone ou ouragan, ce qui constitue effectivement une menace bien connue. Dont on ne sait pas si elle est plus fréquente et plus violente. Il y a peu de recul, mais en tout cas, on doit s'y préparer aussi. Donc on a effectivement des ouvrages qui peuvent être vulnérables à ce genre d'événements. On l'a déjà vu par le passé. Ça, effectivement, il y a des alternatives. Hein. C'est l'enfouissement, mais on a pas loin de 10 000 km de réseau en Calédonie et ce n'est pas forcément à la portée de nos capacités d'investissement. Côté production, il y a l'aspect résilience aux événements climatiques. Bon, pour l'instant, ça n'a jamais été un souci, en tout cas, de mémoire de producteur. Il faut espérer que ça se révèle toujours aussi vrai à l'avenir. Concernant la dépendance aux productions... Effectivement, on n'est pas autonome dans la capacité à développer nous-mêmes des productions de panneaux solaires, d'onduleurs, de systèmes de stockage. Effectivement,
Cela dit, ce sont des technologies qui sont de plus en plus répandues. Il n'y a pas réellement non plus de dépendance géographique ou politique, comme on peut le constater sur des énergies fossiles. Donc il y a une dépendance évidente, mais elle n'est pas de nature à nous inquiéter par rapport à la profusion de fournisseurs et sur des technologies qui sont de plus en plus répandues et dont on constate effectivement, c'est un point particulièrement marquant de ces dernières années, la baisse des prix, qui est le meilleur indicateur de la disponibilité de ces produits. Oui, juste pour compléter par rapport à la dépendance dont vous parliez. Alors, les panneaux solaires sont installés pour une période de 20 ans, donc on a quand même une certaine marge de recul par rapport au vieillissement des panneaux solaires. Ce qui est sûr, c'est qu'à l'heure actuelle, oui, on est complètement et 100% dépendant de la Chine, puisque l'ensemble des panneaux solaires sont fabriqués à l'heure actuelle en Chine. Ce qu'on voit un peu se dégager avec la crise du Covid, c'est que les pays européens se disent que c'est peut-être un peu dangereux tout ce qu'on a fait, de laisser l'ensemble de nos moyens de production à la Chine. Et donc potentiellement ça pourrait changer. C'est des choses qui sont... Alors, je ne sais pas si ça changera pour les panneaux solaires, mais c'est quelque chose qui est en train de changer pour tout ce qui est batterie de stockage, qui sera la prochaine étape. Après le solaire, il faudra pouvoir stocker. Et on sent qu'il y a une volonté européenne, en tout cas, de faire en sorte qu'on ne mette pas tous nos œufs dans le même panier, que toutes les batteries ne soient pas fabriquées en Chine et que l'expertise et l'industrialisation de ces outils-là puissent être développées en Europe. Donc il y a une dépendance très forte, mais je pense que les événements récents feront que progressivement cette dépendance sera... On essaiera de mieux maîtriser cette dépendance par rapport aux panneaux solaires sur la Chine. Sur l'éolien, c'est beaucoup moins vrai. Il y a encore beaucoup de fournisseurs dans le monde européen, chinois, américain. Donc la dépendance est moins marquée qu'elle ne l'est sur le solaire. Si je peux me permettre aussi de compléter. Aujourd'hui, effectivement, on a des centrales qui sont des centrales au sol, qui sont installées avec des panneaux et des durées qui sont déterminées pour 20 ans. Aujourd'hui, la technologie fait que les panneaux ont une garantie à 20 ans de produire encore 80% de l'énergie sur laquelle ils étaient finalement appelés à produire au moment où ils sont mis en service. On peut très bien imaginer que à 20 ans, on ait un marché finalement du panneau de deuxième main, on va dire, qui va permettre finalement, alors, à un coût moindre, puisque le panneau du coup sera déjà amorti, mais on peut très bien se dire que finalement ce panneau aura une durée de vie de 30, 35 ans, 40 ans peut-être. Aujourd'hui on n'a pas encore assez de recul pour dire ce qu'il en sera au niveau performance, donc on aura des panneaux qui seront amoindris avec des performances moindres, mais qui seront quand même disponibles sur le territoire. Après, je souhaiterais ajouter également, parce que je pense que cette question est tout à fait pertinente, parce que finalement, on remplace une dépendance par autre chose, en fait. C'est tout à fait pertinent, et je pense que c'est le début de la démonstration qu'un des enjeux essentiels qui ne doit pas être oublié, c'est la maîtrise de la consommation. Parce qu'à partir du moment où on maîtrise notre consommation, on diminue quelque part, bien sûr, notre besoin et donc notre vulnérabilité. Après, on peut imaginer, parce que finalement, se pose la question, est-ce qu'on ne pourrait pas produire nos panneaux en Nouvelle-Calédonie au bout d'un moment ? Et ça renvoie à la problématique du seuil critique en matière de démographie et de coûts. Mais voilà, je trouve que cette question est vraiment pertinente puisqu'elle nous oriente bien vers le volet essentiel qui est la maîtrise des consommations. Peut-être pour une toute petite réaction complémentaire à ta question, Benjamin. La dépendance, elle existe toujours pour les énergies renouvelables, mais elle est sur l'investissement, elle n'est plus sur le fonctionnement. Et quand on regarde la partie mobilité, c'est les énergies fossiles aujourd'hui, il n'y a pas d'électromobilité, quasiment pas en Calédonie. Donc vous me direz les bons chiffres, mais je crois que c'est au moins 60 milliards d'énergie fossile qu'on importe pour faire tourner de gasoil, d'essence, de fuel. Donc ça, si on arrive à intégrer, à le transformer en énergie renouvelable sur le territoire, on repositionne le marché en Calédonie, même s'il y a les structures qui devront être achetées ailleurs, s'il n'y a pas
le marché suffisamment important en Calédonie. Il n'empêche qu'après le fonctionnement, il est intégré à l'économie locale. Donc ça reste quand même beaucoup plus intéressant que d'importer des fossiles. Merci. Oui, il y a une question en haut. Oui, j'ai une petite question. Bon, très bien le documentaire. Vous présentez dans votre documentaire trois utilisations, en fin de compte, de ce que la planète est capable de nous donner. La centrale hydroélectrique de Yaté, les éoliennes et les panneaux solaires. En France, ils arrivent à utiliser des centrales marémotrices. La Nouvelle-Calédonie subit les marées. Pourquoi on ne va pas faire ce genre de choses? Parce que dire qu'on va économiser, ou alors qu'il faut qu'on apprenne à économiser de l'énergie, la population va grossir. Donc forcément, au bout d'un moment, on aura besoin de plus d'énergie. Donc pourquoi on n'arrive pas à envisager ce genre de choses? Développer les énergies marines. Alors, je vais peut-être laisser Bastien ou... Gabriel. Juste en premier commentaire, en fait, c'est vrai que, je ne sais pas si c'est dans la nature humaine, mais bien souvent, on va vers ce qui est le plus facile. C'est vrai que du photovoltaïque, ça ne bouge pas, c'est inerte, il y a très peu de maintenance. Ça produit de l'énergie assez facilement pour l'établir. Je veux dire, poser des panneaux, c'est quelque chose de simple. Les éoliennes, on en a fait en Nouvelle-Calédonie, il y a eu un gros essor à partir de 2003. Tout ce qui touche aux énergies marines, effectivement, on est entouré d'eau. Donc on a envie de se dire, mais bon sang, pourquoi on n'y a pas pensé plus vite? Ben, en fait, c'est vraiment une question de gisement aussi, puisque en fait, ça renvoie à des coûts d'investissement et des coûts d'exploitation bien plus importants, puisque tout matériel dans le milieu marin est quand même soumis à des contraintes fortes, donc il faut des matériaux résistants avec un coût élevé. Aujourd'hui, si je compare le photovoltaïque, on a un tarif qui est inférieur à 4 francs du kilowattheure aujourd'hui. Et c'est vrai qu'on a beaucoup accéléré dans cette voie-là, jusqu'au moment où, effectivement, pour des questions de contraintes réseau, on va devoir aller sur d'autres énergies également, comme la biomasse. Après, là, je vais passer la parole, mais sur les énergies marines, il y a des premières études qui ont tendu à montrer que, finalement, aujourd'hui, on pouvait faire, d'une certaine manière, mieux et moins cher sur Terre. Peut-être que ces conclusions-là sont appelées à changer au cours du temps parce que les contextes et les connaissances changeront. Oui, je peux confirmer, puisque NERCAL a fait un certain nombre d'études justement pour caractériser ces gisements. Et on est arrivé à la conclusion qu'on n'avait pas les gisements disponibles. Les expériences qui ont à peu près fonctionné ou qui ont été en tout cas initiées en termes d'utilisation de courants marins, elles ont pu voir le jour dans des contextes très particuliers, de très fort marnage, avec des bathymétries particulières, donc des courants vraiment de forte puissance qu'on n'a tout simplement pas, ni dans les passes, ni... Et en plus de ça, comme vient de le dire Bastien, l'environnement est très contraignant et c'est complexe, c'est très onéreux, quand bien même le gisement existe. Donc pour ce qui concerne les courants, c'est plutôt non. Et les différences de température qui constituent un autre gisement d'énergie, différences de température entre la température ambiante et des températures de forte profondeur, est délicat à mettre en œuvre puisque le lagon est très étendu et il faut des grandes distances pour aller chercher des eaux froides. Et donc on n'a pas non plus de chance de ce côté-là. On a d'autres atouts, mais pas cela. D'autres questions en haut? Je veux bien, merci. Tout d'abord, merci pour ce type de débat et d'enjeux sociétal qui me paraissent le plus très important. Je voudrais rappeler un événement. Le 23 décembre 2019, le Congrès de Nouvelle-Calédonie a voté à l'unanimité une proposition donc de vœux relatifs à la déclaration de l'état d'urgence environnementale et climatique. Et j'aurais aimé savoir si ce vœu a eu un impact dans votre activité de tous les jours, puisque vous êtes aux premières lignes de ce combat pour la transition énergétique en Calédonie. On a le droit à des jokers, non? On a le droit à des jokers. Pourquoi, c'est pour moi ça? Bon. Je ne sais pas qui pourrait me répondre, mais votre activité de tous les jours, vous êtes un... Moi, je peux vous dire que... Alexandre, de la météo, moi, je peux vous répondre juste sur la partie
Alors, je ne parle pas en particulier pour ce vœu, mais c'est vrai que par rapport à il y a 10 ans, on voit vraiment qu'il y a un véritable élan qui est porteur pour la recherche scientifique dans le domaine du changement climatique. Il y a 10 ans, c'est presque si on venait tirer... on prêchait un peu dans le vide, quoi. Hein, je veux dire, en tant que météorologue, les élus ne s'intéressaient pas trop à la problématique du climat. Il faut bien le reconnaître. Aujourd'hui, ça a changé et ça change petit à petit. Et aujourd'hui, on commence à avoir un intérêt pour ces questions-là. Et on vient nous poser des questions, on vient nous chercher. On vient nous demander, les membres du Congrès, le membre du gouvernement, on nous pose des questions. On est convié à des réunions où on nous demande de faire des présentations sur nos résultats. Et aujourd'hui, on voit qu'il y a un vrai besoin de connaissances et d'enrichir nos connaissances. Donc moi, j'ai envie de dire qu'il y a eu ce vœu-là, mais il s'est traduit aussi, on le voit dans nos activités de tous les jours. Pas en particulier cet événement-là, ça n'a pas donné une impulsion. Je veux dire qu'aujourd'hui, il y a cet élan-là vers davantage de connaissances et d'aide à la décision dans le domaine du changement climatique. C'est indéniable. Je vais compléter ce qui vient d'être dit en illustrant ce que j'ai vu aujourd'hui. Là, je rentrais de l'IFOU. Hein. J'ai passé la journée donc sur l'île de l'IFOU. Je ne sais pas si vous le savez, mais et là je parle sous le contrôle de Philippe, hein, qui est Philippe Mérenberger, le représentant de directeur général de C. L'île de l'IFOU va être, à partir de l'année prochaine, la première île du Pacifique entièrement autonome sur le plan de la distribution d'énergie électrique. Je parle de quelque chose qui a été enclenché. Philippe, tu m'arrêtes si je me trompe, mais il y a 3 ans. Il y a 3 ans. Imaginez-vous, effectivement, vous parlez de ce vœu en 2019. Je disais tout à l'heure que l'action du gouvernement, qui est quand même très forte depuis 2017, puisque depuis 2017, au travers des réglementations qui ont été mises en place et des arrêtés qui ont été pris par le gouvernement, préparés par la DIMINC, il y a quand même eu une vingtaine de fermes photovoltaïques qui ont été implantées sur le territoire. Et qui produisent, Bastien, de l'ordre de 120 mégawatts crête. 160. Donc, ce que j'ai envie de vous dire, c'est qu'effectivement, le vœu, il a été fait, mais dans la réalité, les choses se passent, et j'ai envie de vous dire, ça va de plus en plus vite. On a aujourd'hui, autour du président Lallier, si je reprends encore l'exemple de l'île de l'IFOU, il a autour de lui une génération de conseillers, de jeunes conseillers, des quadras, des gars de 30 ans, qui ont une véritable vision de développement économique et de développement, de transition écologique, qui est ancrée chez eux. Et quand ils discutent avec leur président, ils discutent sur ces bases-là. J'étais accompagné par quelqu'un qui, ça faisait bien longtemps qu'il n'était pas venu sur les îles, et il m'a dit, tiens donc, il se passe quelque chose dans les îles. Bon, c'est un exemple, hein, mais cet exemple-là, je peux vous le décrire également sur d'autres communes que l'on a dernièrement travaillées et été visitées avec les ingénieurs et techniciens de l'Agence calédonienne de l'énergie. Il y a une véritable prise de conscience au niveau des élus locaux sur la nécessité de renforcer et d'accélérer les démarches de transition énergétique en Nouvelle-Calédonie. D'accord. Donc tous les espoirs sont permis alors. Si je peux, ouais. Déjà, bon, la question est un peu provoque, donc je vais être à l'aise pour répondre, mais je connais bien l'interlocuteur. À EC, on n'a pas attendu l'urgence climatique pour proposer des solutions énergie renouvelable. Hein. Je vous rappelle que les premières installations éoliennes ont été faites à l'IFOU dans les années 70-75. 91, c'était la première ferme éolienne à Négandie, qui était à cette époque la plus grosse ferme éolienne de France. Je pense qu'on a aussi été les premiers à installer des panneaux solaires sur le péage Latinard, enfin des choses comme ça. Donc on n'a pas attendu l'urgence climatique pour se positionner sur ce créneau, et on continue avec l'ensemble des acteurs autour de cette table grâce à ce schéma directeur qui cadre
les objectifs et qui a permis d'avancer beaucoup plus vite et de faire aller tous les acteurs ensemble. Effectivement, et on continue sur l'île de Lifou, puisqu'on a pour objectif, c'était un objectif qu'on s'était fixé avant la fin de l'année, mais on a eu quelques petits retards avec ce qui s'est passé en début d'année, d'avoir une île qui soit 100% verte à partir de l'année prochaine, avec des installations solaires, avec des éoliennes, avec des systèmes de stockage qui permettent de stocker l'énergie durant la journée pour pouvoir la restituer le soir, et le complément à partir de groupes électrogènes qui seront alimentés à partir de l'huile végétale usagée, voire de biofuel à partir de l'huile de coco. Donc voilà, pour te répondre, on n'a pas attendu l'urgence climatique pour se bouger dans ce domaine. Merci à vous. Moi, je voudrais juste rajouter aussi qu'il y a, voilà, depuis un peu plus d'un an maintenant, il y a des conseillers en énergie, et c'est vrai que les communes sont très demandeuses d'être conseillées sur cette thématique-là. Nous, on traite de l'eau aussi, et parce que c'est vraiment aussi un souci, hein, dans certaines communes. On peut voir que le manque d'eau par rapport à la période d'été, c'est vraiment une problématique dans certaines communes. Vraiment, on a de plus en plus de communes qui sont demandeuses d'être accompagnées sur cette problématique-là, hein, de maîtrise de l'énergie, développement des énergies certes, mais surtout de la maîtrise de l'énergie pour baisser aussi les factures au quotidien, quoi. Donc c'est plutôt bon signe. Je vais aussi compléter par un point dont il faut bien prendre conscience. Et pour nous, le point de départ à l'Agence calédonienne de l'énergie, c'est 2017. Cet établissement public a été créé donc il y a 3 ans. Et aujourd'hui, à l'Agence calédonienne de l'énergie, nous sommes 8. J'ai ici dans la salle 2 des ingénieurs qui sont présents. Ils s'engagent tous les jours de la semaine. Ils travaillent sur des projets pour le compte des collectivités, pour le compte d'opérateurs économiques, de manière à accompagner le mieux possible, le plus efficacement, également, comme le précisait Céline, avec les conseillers en énergie partagée de la CECAL. Ce sont pour l'instant des petites équipes. Ils font un travail qui est remarquable, également dans le domaine de la réglementation sur la transition énergétique, le service de l'énergie que Bastien dirige à la DIMINC, est en train de muter progressivement d'une réglementation qui est basée sur un système tel qu'il existait encore il y a quelques années en arrière, vers un système de plus en plus orienté vers de la transition énergétique. Il y a également des opérateurs historiques, et là encore je salue Caroline et Clément qui sont présents, donc de l'ADEME, agence de l'État. Ils sont 2 pour le territoire de la Nouvelle-Calédonie. On est vraiment des petites équipes, mais qui abattons un boulot considérable pour pouvoir accompagner les élus locaux, les décideurs politiques et les entrepreneurs dans leur démarche de transition énergétique. 2017, il y a 3 ans. Il faut juste regarder ce qui s'est passé, effectivement, depuis 3 ans. C'est quand même assez remarquable. On peut rajouter dans la série des réussites et des motifs de fierté, hein, parce qu'on peut toujours faire mieux, plus vite, mais il y a effectivement, comme l'a dit Philippe, des réussites. L'hydroélectricité existe depuis 70 ans. Le potentiel calédonien a été mis en valeur. Hein. Il n'y a pas un deuxième IAT qu'on aurait laissé de côté. Ça a été fait. On a fait de l'éolien très tôt, on a fait du photovoltaïque assez tôt, on fait de la consommation de biomasse. Hein. C'est pas forcément très connu, mais il y a un groupe électrogène à Ouvéa qui tourne 100% à l'huile de copra et qui consomme la quasi-totalité de la production de l'huilerie. Donc il y a eu des expériences, il y a eu des plâtres essuyés, il y a des choses qui marchent très bien. Et il y a effectivement une conscience aujourd'hui qui s'accélère et qui fait que on commence à parler de ces sujets. Les clients dans nos agences sont de plus en plus demandeurs. On met à disposition des outils, notamment à travers des systèmes de comptage qui évoluent, pour mettre à disposition des informations qui peuvent rendre le consommateur moins passif et pour le coup plus acteur de sa consommation. Donc il y a un mouvement qui est en marche depuis un moment et qui commence à porter ses fruits.
Un autre exemple qui peut illustrer aussi la lueur d'espoir hein, dans ce que vous évoquiez, c'est les réflexions qui sont en cours en fait sur. J'ai l'impression qu'il y a personne. Les réflexions qui sont en cours aujourd'hui sur comment alimenter la centrale de Don Diombo avec de l'énergie renouvelable. Il y a effectivement le projet de renouvellement de la centrale qui est dans les cartons depuis quelques années. Il y a un projet, du coup, un appel à manifestation d'intérêt qui a été lancé par NCE sur une centrale, sur la fourniture d'énergie, peu importe la source d'alimentation. Mais ça n'empêche pas qu'en partenariat donc, avec NCE, l'Agence calédonienne de l'énergie et les acteurs autour de la table, des réflexions sont en cours pour savoir comment est-ce qu'on pourrait proposer une stratégie alternative 100% énergie renouvelable à la destination, effectivement, de la SLN. Donc là, on voit bien que finalement, il y a aujourd'hui une réelle volonté économique et politique pour faire en sorte que la Calédonie enclenche réellement cette démarche de transition énergétique à tous les niveaux. Merci Loïc. Oui, Hubert ? Ça marche. On a parlé solaire, donc biomasse, éolien, hydroélectrique. J'avais deux questions. La première sur l'hydroélectricité. Je me souviens, fin 2017, quand on a eu la grande sécheresse, le lac de Yaté, par exemple, on a redécouvert la rivière de Yaté, tellement le niveau était bas. Est-ce que ça vous a amené, à ce moment-là, à stopper quand même la production d'hydroélectricité ? Et donc ça veut dire, dans ces cas-là, rebasculer sur une autre énergie et probablement plus carbonée. C'était ma première question. Donc, dans un contexte de changement climatique, on peut se dire que certaines énergies, comme l'hydroélectricité, peuvent devenir moins performantes en période de sécheresse, en période pendant l'été, là où possiblement les pics de consommation avec les climes, etc., seront les plus importantes. Et lié à cette première question, quelque chose qui est en train d'arriver sur le tapis depuis quelques mois, c'est la question de l'hydrogène. Alors j'ai entendu dire qu'il y avait des sources d'hydrogène possiblement naturelles en Calédonie. Et au-delà des sources d'hydrogène naturelles, on peut produire de l'hydrogène. Dans le monde, c'est ce qu'on appelle l'hydrogène gris. Ça produit aussi des gaz à effet de serre. Je crois que c'est l'équivalent d'1% des émissions de gaz à effet de serre, c'est pour produire de l'hydrogène dans le monde. Mais on peut en produire à partir d'énergie renouvelable, solaire, éolien. Et est-ce que ce ne serait pas un moyen de stocker l'énergie sous une forme donc, d'hydrogène pour ne plus avoir à passer par des batteries qui sont elles aussi un vrai souci. Aujourd'hui, on va créer du photovoltaïque, l'énergie avec du photovoltaïque, mais on stocke avec beaucoup de batteries. Est-ce que si cette énergie renouvelable solaire, on la transformait en hydrogène, comme c'est le cas dans plusieurs pays, hein, le Chili veut vraiment énormément investir sur cette voie-là. Il y a une ville de 500 000 personnes en Angleterre, Leeds, qui veut passer complètement à l'hydrogène, pour passer du gaz naturel à l'hydrogène. Donc c'est plus que la population calédonienne. Est-ce que ça, c'est une voie ? Moi, je ne suis pas du tout connaisseur de la question, et je m'interroge. Alors donc, concernant l'hydroélectricité et l'ouvrage principal qui est Yaté, qu'on exploite depuis la fin des années 50, on a une très grande variabilité historique des apports et de ce fait de l'énergie qui sort de cet ouvrage annuellement. Une variabilité liée à des cycles climatiques. Il est encore un peu prématuré pour tracer des trajectoires pour l'avenir, mais on sait que l'hydraulicité moyenne nous permet d'avoir 300 gigawattheures par an issus de cet ouvrage, mais que ça peut être plus ou moins 30%. Donc de fait, il peut y avoir des périodes dans l'histoire de l'ouvrage où la retenue est basse. Alors elle peut être basse parce qu'il y a eu peu d'apports ou parce qu'on s'en est beaucoup servi pour différentes raisons. On gère un mix, on gère différentes sources. Avec des gestions quotidiennes pour certaines sources, notamment le photovoltaïque, des visions à la semaine sur des ouvrages hydroélectriques qui ont des faibles retenues, comme par exemple Neawa, ou une gestion annuelle, puisque le barrage de Yaté est géré annuellement, étant donné la capacité de la ressource.
on va turbiner trois fois le contenu annuel. Il faut 3 mètres cubes pour faire 1 kWh à IAT. Donc là, on a une vision annuelle. Et on a les énergies qu'on appelle pilotables. C'est aujourd'hui les centrales thermiques. Et avec tout ça, on fait un mix. Et dans l'année, on a une gestion de ces différentes sources en fonction de leur disponibilité et évidemment du coût, puisque le travail principal du gestionnaire de système électrique, c'est d'assurer l'équilibre entre l'offre et la demande au moindre coût. Et ça, à tous les horizons de temps, que ce soit pour ce soir, la semaine prochaine, dans un mois, dans un an, dans 10 ans, c'est l'enjeu. Donc pour répondre à la question spécifique de IAT, changement climatique, je ne sais pas trop. Variabilité, elle est constatée depuis toujours. Et on en a une gestion en conséquence sur un pas de temps qui est plutôt annuel. Un élément d'écologie sur des bassins versants un peu, de taille un peu plus modeste, des micro-centrales hydroélectriques, on en exploite une douzaine, même sur des bassins versants un peu plus étendus, comme à Waïlou, la Neawa ou la Tu, on a une dégradation des milieux, que ce soit par le fait des incendies ou des espèces invasives, des cerfs et des cochons, qui dégradent les sols et qui font par exemple que les retenues s'engravent plus souvent. Et donc on a aussi un problème de ce côté-là, qui n'a pas grand-chose à voir avec le changement climatique, mais qui relève quand même de l'activité humaine ou indirectement, concernant la présence des espèces invasives, des actions qu'on mène ou qu'on mène pas pour les réguler. Enfin voilà, l'hydroélectricité, c'est le climat, c'est aussi la qualité des sols. Et là, c'est plus une question écologique, mais ça a des répercussions aussi sur notre capacité à produire de l'électricité avec cette source renouvelable. Pour l'hydrogène, joker, étant donné mes connaissances de géologie calédonienne. Alors pour répondre à la première partie sur l'hydrogène naturel, alors effectivement, on sait qu'il existe en Nouvelle-Calédonie, en particulier dans le sud, des sources d'évaporation d'hydrogène. Et on a financé l'année dernière une étude d'un doctorant pour voir un petit peu le potentiel. Donc c'est encore très balbutiant. 7 sources potentielles d'hydrogène ont été identifiées. Il faut savoir que dans le monde, il y a un certain nombre d'autres projets ou de découvertes qui ont été faites dans ce domaine, plutôt de manière fortuite, hein, principalement en creusant un puits pour récupérer de l'eau au Mali, on s'est aperçu qu'il y avait de l'hydrogène, et cet hydrogène sert maintenant à alimenter en électricité et en chauffage, enfin en chauffage pour la nourriture, le village. Il y a eu des expériments, des sources qui ont été trouvées aux USA lors de prospections minières. Il y a un fort potentiel sur lequel le groupe travaille au Brésil, ou sur lequel on a installé des détecteurs. Donc c'est à l'heure actuelle encore anecdotique, mais alors là je parle sous couvert de ce que peuvent nous dire les scientifiques et les chercheurs. C'est potentiellement une source qu'il faut considérer. On est encore très loin de pouvoir l'envisager de manière industrielle, mais je pense que c'est important par exemple de garder le parallèle sur le pétrole. Il y a 150 ans, le pétrole c'était simplement quelques puits et des flammèches qu'on voyait à certains endroits. Loin de nous l'idée de pouvoir l'exploiter et le faire ce qu'il est devenu. Donc je pense c'est peut-être anecdotique, mais ça ne l'est peut-être pas, et donc il ne faut pas enterrer trop vite la solution, et les chercheurs continuent à y travailler, et ça pourrait être, pourquoi pas, l'énergie de demain et la prospection de demain. Parallèlement à ça, moi je pense aussi que l'hydrogène, c'est un peu le maillon manquant de notre cercle vertueux de transition énergétique, avec une énergie décarbonée, décentralisée, mais qui va pouvoir stocker. Et là, on avance, ça avance quand même un peu plus, en particulier sur la possibilité d'utiliser l'électricité pour faire de l'hydrolyse,
et pour stocker de l'hydrogène. La solution n'est pas encore totalement compétitive, mais je pense qu'on y viendra assez rapidement. Les capacités, les piles à hydrogène évoluent et le rendement augmente de manière considérable. Les électrolyseurs aussi s'améliorent considérablement. Et il faut garder à l'idée que on va probablement pouvoir produire de l'énergie solaire en particulier très très peu chère, et que donc cette énergie elle va se trouver en surplus durant la journée, et qu'elle pourrait de manière très intéressante être utilisée pour faire de l'électrolyse et être stockée sous forme de H2 plutôt que comme on peut le constater sur le spot price. C'est toujours mieux que débrancher une éolienne ou débrancher du solaire, de produire de l'hydrogène, même si le rendement est à l'heure actuelle très mauvais. On doit être aux alentours de 25%, mais ça va s'améliorer et ça permet de donner un usage à cette énergie solaire peu chère qui pourrait être judicieusement stockée. L'avantage de l'hydrogène, c'est aussi qu'il crée le lien qui n'existait pas à l'heure actuelle entre le gaz et l'électricité. On peut donc produire de l'électricité à partir du gaz, H2, et inversement produire du gaz à partir de l'hydrogène, à partir de l'électricité, pardon. Et l'avantage de ce gaz, c'est qu'on sait bien le gérer, on sait le stocker, on sait le transporter. Il peut être utilisé pour produire de l'électricité, mais il peut être utilisé comme fuel en ajout avec le gaz de ville, par exemple. C'est des choses qui se font beaucoup et de plus en plus en Europe. Donc voilà, on n'en est encore qu'au début, mais je pense que ce sera la clé de la réussite de la transition énergétique. C'est donc une piste sérieuse pour l'avenir. En tout cas, ne pas discréditer d'entrée. Pour compléter, alors... Ça tombe bien que la question soit posée parce qu'il y a une conférence qui a été organisée ce matin par un cluster de la place que je nommerai pas. Et on avait justement qui avait pour objet du coup de la conférence le stockage d'énergie. Et la solution hydrogène a été évoquée avec une présentation qui nous a été faite conjointement avec Olivier qui se trouve dans la salle et un expert métropolitain. Pour répondre alors plus précisément sur la question... le stockage propre, ce qui nous a été présenté ce matin, et je m'appuierai sur Olivier, c'est que finalement la réponse hydrogène va permettre d'apporter des solutions complémentaires par rapport au stockage batterie. Le stockage batterie va être plus sur une énergie relativement courte, une utilisation relativement courte, alors que l'hydrogène pourrait apporter elle ou lui, je ne sais pas si c'est féminin ou masculin, mais du coup, une solution entre 4 heures et 24 heures, grosso modo. Donc, on voit que, une fois de plus, dans les énergies et dans la transition énergétique, on a complémentarité des solutions et non pas opposition. Sachant qu'aujourd'hui, dans le monde, 85% du stockage d'électricité, c'est du stockage sous forme hydroélectrique, donc des stations de transfert d'énergie par pompage. Et c'est maîtrisé depuis longtemps, un bassin haut, un bassin bas. Quand on a de l'énergie abondante, on pompe de l'eau dans la partie haute, et quand on en a besoin, on la returbine en circuit fermé ou en circuit ouvert. Mais en tout cas, ça fait aujourd'hui l'immense majorité des solutions de stockage, et qui peuvent aussi trouver leur place dans un mix de stockage. On a déjà un mix de production, et on aura très certainement un mix de stockage, batterie, step, hydrogène. D'autres solutions, il y a énormément d'investissements dans le domaine en ce moment, et on verra certainement dans les années qui viennent émerger des solutions qui sont pour l'instant un peu balbutiantes. Donc beaucoup de choses existent et le mix peut effectivement convenir à nos spécificités et notamment à cette particularité de la Calédonie d'avoir la grande majorité de l'énergie consommée par les métallurgistes. Ce qui constitue, on l'a vu en grammes ou en tonnes de CO2 émises par habitant, plutôt un mauvais point. Mais en termes de perspective de transition, aussi des possibilités, puisque quand on a des électro-intensifs, on peut, dans une certaine mesure, obtenir des flexibilités de leur consommation pour l'adapter à ces énergies qui, elles, sont intermittentes. En tout cas, celles qui se développent aujourd'hui le plus
sont intermittentes et il faut trouver une solution pour faire coïncider cette disponibilité et des usages. Merci beaucoup pour toutes ces précisions. J'aimerais maintenant aborder un autre secteur qui est également très consommateur d'énergie, qui est celui du bâtiment. Depuis plusieurs années, on entend parler d'un projet de réglementation donc énergétique des bâtiments qui s'est finalement transformé en norme basée sur le volontariat donc des maîtres d'ouvrage. Comment est-ce qu'on justifie ce choix? Et c'est une question pour Bastien. Je vais essayer de répondre tout en gardant mon emploi. C'est vrai que ça fait, je crois que sans mentir, ça fait 15 ans que ce projet a démarré, ce projet réglementaire qui a fait l'objet de beaucoup de réunions, de concertations avec des maîtres d'ouvrage publics, privés, des architectes, des bureaux d'études, enfin toutes les corporations de métiers étaient représentées. Sachant que avant d'aller plus loin, de quoi parle-t-on exactement? Parce que souvent on s'imagine que pour faire de la transition énergétique, il faut nécessairement faire un appel à la haute technologie. En fait, pas du tout, puisque on parle de concepts constructifs au niveau du bâtiment que nos ancêtres les plus soignés maîtrisaient déjà, puisque leur souci, c'était de se protéger de la chaleur du soleil ou de se protéger de la pluie. Donc assez vite, les différents peuples ont réfléchi sur le sujet. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, en Nouvelle-Calédonie et puis ailleurs dans le monde, on essaye de se réapproprier ce savoir, finalement, qui a été un peu perdu. Alors on n'a pas perdu de vue qu'un bâtiment devait nous protéger de la pluie, et par contre, on a un peu perdu de vue qu'il devait aussi nous protéger de la chaleur du soleil. Et aussi parce qu'à un moment donné, l'électricité, la climatisation est apparue. Et puis, on a eu l'impression à l'époque de toucher au Graal avec cette climatisation. Sauf que les choses évoluant, le prix de l'énergie est devenu cher. Les consciences se sont élevées sur le fait qu'il y avait des impacts sur le climat. Et donc aujourd'hui, ouais, il s'agit de revenir un peu en arrière, mais pour le meilleur, finalement, puisqu'il s'agit de se réapproprier ces savoirs. Alors, on parle de quoi? On parle d'isolation de toiture, poser de la laine de verre ou de la laine de roche, par exemple, c'est pas plus compliqué que ça. C'est jouer sur la taille des ouvrants, donc les fenêtres, les portes, leur position, pour, comme on l'a vu dans le reportage, favoriser la ventilation naturelle. La taille des ouvrants joue aussi sur l'apport en éclairage naturel, contre l'éclairage artificiel. Enfin voilà, c'est pas plus élaboré que ça, si vous voulez. Mais pour autant, c'est vrai qu'on s'est confronté à l'envie de ne pas faire, finalement. C'est assez triste, mais certains professionnels n'ont pas vu leur intérêt dans cette réglementation et ont su la laisser à l'état de projet. Ce qui était malgré tout satisfaisant, c'est que ce projet de réglementation qui a circulé, puisqu'il avait été bâti sur la base d'une très large concertation, il était quand même utilisé par notamment les bailleurs sociaux, par certains promoteurs privés, pas beaucoup. Et puis là, on a franchi quand même un cap supplémentaire, puisqu'effectivement, on en est arrivé à officialiser ce document sous la forme d'une norme. Alors c'est vrai qu'on pourrait être quatre moitiés satisfait. Pour autant, je pense qu'il faut, être plutôt heureux que ce pas ait pu être franchi quand même. Il remonte à quelques semaines. Julie Danois, ici dans la salle, a largement contribué à ce projet aussi. Cet outil, il existe maintenant, il est officiel. Et maintenant, toute personne un peu éveillée sur le sujet a à sa disposition cette norme qui lui permettra de bâtir ou rénover son habitat afin de le protéger de la chaleur du soleil. Pas répondu, juste une réaction. Alors c'est vrai qu'il faut voir le verre à moitié plein, mais aussi quand même regarder le verre à moitié vide. Quand en Calédonie, nos élus ont voulu sauver le cagou, ils n'ont pas créé une norme ou une charte de comportement vis-à-vis du cagou qu'on va rencontrer dans la forêt. Ils ont élaboré une réglementation dans un code de l'environnement qui impose à 271 000 Calédoniens le même respect, le même engagement vis-à-vis d'un élément stratégique, d'un élément du patrimoine à préserver. On pourrait s'attendre à ce que la même ambition politique puisse s'illustrer par rapport à cet enjeu d'arrêter de faire des fours
quand on construit des bâtiments, après qu'on va installer avec une clim. Peut-être que pour des gros salaires, c'est pas grave de dépenser quelques dizaines de milliers de CFP supplémentaires, mais pour les gens qui n'ont pas le choix de se loger dans des petits logements et qui sont obligés de les climatiser parce que sinon c'est insupportable, eh bien eux vont être doublement pénalisés par rapport à leurs petits revenus. Donc c'est aussi cette question de réglementation, c'est de la solidarité, c'est du social, c'est pas que de l'environnement, c'est pas que de l'économique. Il y a une dimension de respect des gens du pays et des gens qui ont des petits salaires. Ça passe par leur offrir des bâtiments qui ne soient pas des fours. Donc voilà. Je vais rebondir là-dessus. Je pense que c'est un peu comme la notion d'efficacité énergétique. On est toujours dans la maîtrise de l'énergie. Et c'est vrai que souvent, je constate que dans les communes, il est très difficile en fait d'expliquer qu'il faut changer, par exemple, dans une cantine, un vieux congélateur on va me répondre souvent, il fonctionne encore. J'ai dit, oui, il fonctionne, mais il consomme énormément par rapport à tous ces nouveaux congélateurs qu'on peut avoir sur le marché avec des étiquettes énergétiques, comme on l'a vu dans le reportage. C'est ça qui est difficile dans l'efficacité énergétique, c'est de faire comprendre que le vieux appareil comme le frigo, qui doit faire du 4-5 degrés à l'intérieur de son frigo, on doit avoir cette température-là, au bout d'un moment, quand les années passent, son rendement s'affaiblit et du coup va demander beaucoup plus d'énergie pour produire ces 4-5 degrés dans le frigo. Et ça, des fois, c'est des choses qui sont assez compliquées et en tout cas très difficiles à faire comprendre. Et souvent, c'est plus facile peut-être pour des élus de dire « moi, je vais mettre du photovoltaïque ». Et il faut vraiment toujours repréciser que une enveloppe d'un bâtiment, c'est aussi important. L'isoler, parce que souvent, on parle de construction, mais la rénovation, aujourd'hui, on construit sans isolant dans la toiture. On construit et puis au bout d'un moment, on a des fenêtres qui sont plus étanches et on va quand même climatiser. Donc, c'est tout ça qu'il faut réexpliquer et remettre le point dessus, et parce que c'est des choses qu'on oublie et qu'on parle beaucoup d'énergie renouvelable et on oublie aussi de parler de cette efficacité énergétique, de ces bâtiments qui sont des passoires et qu'on climatise de plus en plus. Et pourtant, la notion de confort, on la recherche de plus en plus aussi. Donc c'est tout un ensemble qu'il ne faut pas négliger. Moi, je voudrais juste rebondir sur ce que vient de dire Hubert, parce que je trouve qu'il est un peu méchant avec les élus, parce que les élus, ce sont nos élus, ils sont élus par nous. Et il ne faut pas oublier que les premiers acteurs de la transition énergétique, c'est pas les élus, c'est nous. Combien de personnes dans la salle sont venues aujourd'hui à l'université en voiture? Combien ont fait du covoiturage? Combien sont venus à vélo? On peut tous battre notre coulpe, comme on dit. Et je pense que c'est là aussi l'enjeu, c'est qu'on a tous, on possède tous en nous une part de la solution. Et c'est difficile parce que là, les changements aussi qu'on demande, c'est sûr qu'on progresse, on progresse petit à petit. Mais là, ce qu'on demande aussi, c'est quand même de renoncer à certaines choses, de renoncer à des voyages en Australie, de renoncer à allumer sa climatisation pour... Il y a quand même aussi un cap à franchir tous, et c'est pas que les élus, parce que les élus ils ont bon dos, comme je disais, et c'est à nous tous aussi de prendre en main ce problème. Là c'était plus Alexandre le particulier qui parlait. C'est une responsabilité commune. Également, juste un élément de réponse par rapport à effectivement la remarque d'Hubert. On s'est retrouvé, pour le cluster Synergie et les professionnels que l'on représente, on a quand même pas mal mouillé la chemise pour faire en sorte que cette réglementation puisse sortir. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. On s'est retrouvé dans un dilemme à un moment donné à se dire, est-ce qu'on continue de pousser pour une réglementation qui ne verra peut-être pas le jour, ou est-ce qu'on finalement, nous aussi, on met un petit peu d'eau dans notre vin à pousser pour que la norme, elle, voit le jour, même si elle sera d'application volontaire, et que cette norme-là, finalement, les premiers exemples servent de retour d'expérience pour dire c'est faisable, le coût n'est pas si démesuré que ça, et que par la suite, une fois qu'on aura des exemples qui seront des exemples positifs, on puisse aller voir nos décideurs pour leur dire maintenant qu'on sait que ça fonctionne, à vous de le rendre obligatoire.
Juste une toute petite réponse et on va arrêter le débat sur le point, hein, c'est pas la question. Mais pour réussir une transition, il y a deux aspects. Il y a choisir les bonnes solutions à la bonne hauteur de l'enjeu et choisir la vitesse à laquelle on applique les bonnes solutions. Des bonnes solutions choisies, mais pour lesquelles on met 20, 30 ans pour les appliquer, c'est pas, on répond pas à l'enjeu de l'urgence climatique, écologique, planétaire. De la même manière, des réponses partielles tout de suite engagées, alors je suis d'accord que ça permet de finir de convaincre des élus, mais à quelle vitesse on arrive à les convaincre d'accélérer les choses. Et c'est aussi notre rôle, et je te rejoins complètement, il y a de la responsabilité de chacun, du citoyen, du monde de l'entreprise et du monde politique, d'être ensemble pour cette transition. Le débat, il ne doit pas être annulé pour se dire on ne se dit pas les choses, on ne reconnaît pas les enjeux et on n'ose pas, on va dire, se montrer là où il y a un peu de lenteur à avancer. Mais clairement, là-dessus, on a peu de chances d'être à la vitesse de la transition énergétique si on reste sur des simples normes volontaires. C'était juste, on sait que c'est un peu partout le cas, et pas seulement en Calédonie. Donc tout s'est transformé par une ambition politique qui s'est transformée dans des lois, dans des réglementations à travers le monde. Ça a toujours marché comme ça. Voilà. Et pour achever de nous saper le moral, tu pourrais dire que le gaz carbonique qu'on émet aujourd'hui, il est encore dans l'atmosphère dans 70 ans. Non, au WWF, on est très positif et notre slogan, c'est « Ensemble, nous sommes la solution ». Donc là-dessus, débattons, on est tous dans la même pirogue, on est 271 000 sur cette petite île à construire la solution, chacun à sa place, mais dans la vérité des sujets et des solutions. Merci beaucoup. Oui. J'ai une question, du coup, je suis juste là, Benjamin, toujours. J'aime beaucoup tout ce que vous faites, du coup, parce que vous faites chacun un pas pour avancer, et je trouve ça très bien. J'adore les approches empiriques, et j'aime bien le sens que ça prend. Après, oui, la question du temps est importante, comme soulevé Hubert, du coup. Sur l'habitat, alors je ne connais pas le contenu de ce que vous dites, mais il y a plein de choses que j'ai découvert en Nouvelle-Calédonie sur l'habitat, notamment grâce aux habitats océaniens, en fait. Qui sont très intéressants et qui fonctionnent très bien. Justement, pour reprendre votre exemple sur le placement des fenêtres, etc., c'est quelque chose d'important, mais le matériau aussi qui est utilisé, comme par exemple le béton, qui a un impact non pas direct en Nouvelle-Calédonie sur le CO2, mais ailleurs dans le monde. Je voulais savoir si ce genre d'impact-là, du coup, était pris en compte dans les calculs, dans les reports qu'il peut y avoir aujourd'hui, sur même les statistiques long terme, etc. Est-ce que tout ce qui est importé, si on parle aussi des panneaux photovoltaïques, etc., qui sont produits ailleurs dans le monde, qui viennent de mines ailleurs dans le monde, ou peut-être même des mines calédoniennes, ça j'en sais rien après, il y a tous ces impacts-là environnementaux qui ne sont pas de la production de CO2. Est-ce que tout ça est pris en compte ? Alors du temps où effectivement on avait commencé le travail sur la réglementation énergétique des constructions, et ça a été repris d'ailleurs dans le projet de norme, c'est qu'on s'est attaché à définir des critères de performance du bâtiment qui laissent malgré tout une certaine liberté au concepteur. C'était un peu le cahier des charges de base qui nous était demandé par les professionnels du secteur, en disant bah, par exemple vous fixez ce qu'on appelle le facteur solaire, qui n'est rien d'autre que le pourcentage de chaleur qui réussit à pénétrer dans le bâtiment. Et donc, pour respecter, par exemple, ce 2%, eh bien, je vais pouvoir mettre en œuvre tout un tas de solutions liées aux matériaux que j'emploie, liées à leurs couleurs, liées aux isolants. Et donc, sur cette base-là, on laissait une liberté assez forte aux concepteurs. Et puis, en complément de ça, on avait élaboré un guide des matériaux qui doit être encore disponible sur nos sites internet et qui permettait d'orienter les concepteurs vers les matériaux les plus nobles, en considérant l'approche énergie grise, ou selon que le matériau soit conçu ou pas. J'ai le souvenir de le béton de terre qui était fait du côté de Conné,
qui soit produit du coup localement. Donc l'approche était un petit peu en deux temps et complémentaire, avec idéalement cette réglementation qui fixait le cap minimal à respecter, et puis en complément des documents qui permettaient d'orienter le concepteur vers les matériaux les moins énergivores et les plus respectueux de l'environnement. Attendez, on vous redonne le micro, s'il vous plaît. Au-delà du matériau utilisé, est-ce que la problématique, c'est pas aussi l'emplacement du bâtiment ? Une maison en bord de mer, forcément, va chauffer beaucoup plus qu'une maison qui est dans une vallée de montagne, etc. Je pense à Farino, par exemple, où on peut construire une maison en bois, abritée, on va être très bien au frais, on n'aura pas de chaleur, on n'aura pas besoin de clim, pas besoin de chauffage, et on peut avoir une maison sur pilotis en bois sans problème, alors qu'en bord de mer, sur Nouméa, une maison en bois sur pilotis, bah, on a beau être en bois, etc., on va avoir très très chaud l'été. Alors, je ne suis pas le plus grand expert dans le domaine, mais dans les formules que nous avons retenues pour calculer ce fameux facteur solaire, qui représente le pourcentage de chaleur qui arrive à pénétrer dans l'habitat, outre les matériaux, la couleur et l'isolation, on intègre également des facteurs qui sont liés à la présence ou pas, par exemple, de sol, d'herbe autour de l'habitat, qui évite ce qu'on appelle l'albédo, qui est la chaleur qui rebondit sur le sol du béton, par exemple. On a intégré aussi la présence de végétation, on a intégré la présence éventuellement de reliefs qui permettent d'apporter de l'ombrage. Donc tout ça a été effectivement pris en compte. Et puis pour ce qui concerne, vous disiez, au bord de la mer, par exemple, ça renvoie notamment à la facilité de pouvoir ventiler naturellement l'habitat. Là aussi, on a intégré la notion de porosité, qui est en fait le rapport entre la taille des ouvrants et le plancher. Et en fait, cette porosité était plus ou moins grande, enfin, il était plus ou moins nécessaire d'avoir une porosité forte en fonction, effectivement, de l'orientation du bâtiment par rapport au vent et même voir par rapport à la localisation sur, en Nouvelle-Calédonie, à quel endroit on se trouvait, parce qu'on pouvait accéder à des données sur l'orientation des vents. Mais du coup, est-ce que le fait de sortir les habitants de Nouméa ne serait pas un enjeu ? Le fait d'avoir de ne pas avoir de gros bâtiments du type gros immeubles, etc. Ça, c'est pas un programme pour un élu. Hein. Si vous voulez être élu avec un programme comme ça. Ah, mais la question, c'est pas d'être élu. La question, c'est de vivre ensemble assez longtemps. Ça va dépendre en fait de quoi on parle. D'un point de vue, effectivement, peut-être confort pour l'habitat, ça peut être un enjeu intéressant. En revanche, si on parle de mobilité, plus on va étendre la population et plus il va y avoir des déplacements importants et plus du coup on va avoir des consommations énergétiques fortes. Donc il faut aussi, tout se pèse et aujourd'hui on n'a pas de, enfin moi j'ai oui. pas la solution. Alors je rebondis sur mobilité et la question de mon voisin, aménagement du territoire. Transition énergétique calédonienne, on a parlé principalement de la production d'énergie électrique, je vois à peu près à quoi ça ressemble. Transition énergétique au niveau de la mobilité électrique. On en a très très peu parlé. On a parlé de deux vélos à Koumak. Heureusement de deux vélos à Koumak. Absolument. Effectivement. Alors, je vais continuer. L'écomobilité n'était pas un sujet. L'aménagement du territoire. Je rebondis sur ça. Ça fait un effet de Larsen. Je ne sais pas ce qu'il y a. Oui, en fait, il ne faut pas poser vos mains aussi sur. Voilà. Parlez loin. Il faut chanter comme Elvis. Vous pouvez la rapprocher un peu. Ah, d'accord. Vous me guidez. J'aime bien être guidé. Pour danser, c'est pratique. Alors, votre question. Alors, ma question, c'est l'intérêt. Je me dis la transition énergétique qu'on a parlé. Excusez-moi, mais vous pouvez rapprocher le micro de votre bouche, on ne vous entend pas. Voilà. Là, ça va. C'est parfait. Ah, ben voilà, on y est arrivé. Parfait. Alors, la mobilité électrique. La mobilité électrique, aménagement du territoire, mobilité électrique. Tous les matins, on croise. Je ne sais pas où vous habitez, où. Moi ? Oui. Sur Nouméa. Ah, un homme heureux. N'habitez pas Savannah, Dumbéa-sur-Mer, Tomo, Tontouta, La Foy, et j'en passe. Bon. En fait, en termes d'aménagement du territoire, aujourd'hui, on est confronté à quelque chose d'extraordinaire, c'est qu'on a reproduit les phénomènes banlieusards parigots en Nouvelle-Calédonie. Est-ce que ça, c'est pris en compte dans l'aménagement, la transition énergétique ? Alors, un instant, Bastien. Je te vois préparer ta réponse. C'est super, il y en a une, c'est génial. Voilà, parce que l'énergie électrique, ok. Et donc là, je serais impatient d'avoir une réponse sur comment est pris en compte la transition énergétique, donc l'économie de l'énergie, dans la mobilité.
Je suis curieux d'avoir une approche. Enfin, il y en a ou il n'y en a pas, hein, je veux dire, si on a une, tant mieux. C'est effectivement la première démarche à avoir, hein, l'aménagement d'un territoire par rapport justement aux consommations et aux flux de personnes et de marchandises. Il y a des démarches, hein, qui existent en métropole justement pour se projeter sur un meilleur aménagement du territoire. Je crois que c'est l'approche AEU2, donc approche environnementale de l'urbanisme, 2, puisque du coup c'était la deuxième mouture de cette approche-là. Il y a eu des tentatives, et je ne sais pas s'il y a eu des réalisations qui ont été faites sur le territoire, mais en tout cas, il y a effectivement une projection sur comment est-ce qu'on aménage un territoire mieux sur l'avenir. La problématique, hein, c'est que l'aménagement, du coup, on est sur des projets qui sont sur des très longues durées, avec des contraintes souvent budgétaires et de choix politiques des arbitrages, du coup, qui doivent remodifier le projet au fur et à mesure de sa réalisation. Ça n'empêche pas que je crois que la CECAL est un des aménageurs du territoire et se penche sur ces questions qui sont justement de dire comment est-ce que demain on doit penser une ville, comment est-ce que demain on doit penser un quartier, comment est-ce que demain on doit penser une zone d'activité pour faire en sorte de réduire au maximum justement tous ces flux. D'accord, donc c'est comme ça qu'a été conçu Dambéa sur Mer. Je vais laisser répondre à CECAL. C'est une question super intéressante parce que en métropole, en Loire-Atlantique, il y a un super projet qui s'est fait d'un éco-quartier avec visée, je ne sais pas s'ils sont arrivés déjà, mais neutralité carbone. Donc d'avoir dans l'ambition calédonienne, alors est-ce que c'est dans le STANC une partie d'aménagement du territoire pour prendre en compte ces aspects énergétiques qui sont en effet liés à où est-ce que vous habitez, où est-ce que vous travaillez, etc. Ça, c'est quelque chose d'un vraiment important. Il faut juste rappeler une chose, c'est que André, vous avez dit tout à l'heure qu'il allait y avoir la révision du STANC, normalement, du schéma de transition énergétique l'année prochaine, 2021. Si je ne me trompe pas, le schéma d'aménagement et de développement de la Nouvelle-Calédonie 2025 devrait être révisé également en 2021. Et ce qui serait vraiment intéressant, c'est d'avoir non pas des silos thématiques, mais d'avoir un travail entre ces deux schémas pour qu'ils se nourrissent et qu'il y ait en effet pleinement cette question d'aménagement du territoire dans l'enjeu de transition énergétique. Donc là, il y a une fenêtre. Je m'adresse aux élus à nouveau ici. On va en discuter avec certains la semaine prochaine. C'est de trouver des passerelles entre ces deux schémas qui structure notre vie en Calédonie. Et là, il y a 2021, c'est la bonne année. J'ai une autre question, Elisabeth, pour vous. Je vois marqué Cressica. Je n'arrive pas à bien lire. Je vois pour l'enseignement, c'est ça. Il y a l'enseignement supérieur et l'innovation. Oui. C'est ça. En termes d'opportunités, on a parlé d'engineering énergétique, tous ici. Et c'est super, hein, énergétique, transition énergétique, les bâtiments. Oui, merci. Les bâtiments, Bastien a décrit des choses qui sont très intéressantes. Mais en termes d'opportunités pour la Nouvelle-Calédonie et les jeunes qui sont ici, en termes d'engineering, en termes d'ingénieurs, en termes de techniciens supérieurs, en termes, qu'est-ce qui est... Comment cette opportunité d'être transition énergétique, qui est un vaste projet jusqu'en 2030 et voire plus loin, comment ça, c'est l'aspect humain, donc Cressica, c'est bien ça, hein, comme et Université du Pacifique, je vois, c'est écrit aussi, Université de l'Académie, pardon. Comment ça, c'est intégré pour donner donc, pour qu'on prenne cet engineering, qu'on le développe, qu'on le vende aux autres, hein, s'il faut. Ça, c'est moi qui vais un peu trop loin. Comment ça, c'est pris en compte? Est-ce que c'est pris en compte? Est-ce que cette opportunité est saisie pour nos jeunes? En termes de formation, parce que je vois qu'il y a beaucoup de choses qui ont été faites autour de la mer, à l'Université de la Nouvelle-Calédonie, mais mine de rien, ce que dit Bastien, ce que disent tous les opérateurs qui sont autour de la table, c'est un enjeu qui est maus, quoi. C'est un gros truc. Et à chaque fois, on a parlé de l'humain, on a parlé du savoir. Bastien, t'as parlé du savoir, tout le monde a parlé du savoir. L'équipe, la fameuse équipe d'ACE, vous êtes 8, c'est bien ça? Vous êtes 8, il y a du savoir, il y a du jus de cerveau, quoi. Et comment la suite est montée avec comment cette expertise, ce savoir est transmis, développé
en termes d'opportunités à la Nouvelle-Calédonie, aux jeunes qui sont là. Il y a des jeunes ici. Vous êtes oui, nombreux. Alors justement, voilà, les jeunes. Voilà, pardon. Justement. Donc je vais arrêter là. Je vais arrêter là. J'aimerais bien. Alors, je vais laisser André Poudard répondre, mais je voudrais préciser qu'on a avec nous. Ah oui. Alors on va aussi prendre. Alors dans l'ordre. Merci beaucoup, messieurs dames. Dans l'ordre, donc on va. Je vais juste donner une petite précision. André fera la réponse et le jeune homme posera ensuite sa question. Je voudrais préciser qu'on avait justement des étudiants ce soir dans la salle. On a une dizaine de jeunes de licence des sciences de l'ingénierie du développement durable du CNAM qui sont là, qui sont présents. Donc si vous souhaitez prendre la parole après, surtout n'hésitez pas. André, je te laisse la parole. Merci Elisabeth. Effectivement, là aussi, il y a une prise de conscience. Mais il y a une prise de conscience qui se fait... d'abord un petit niveau, hein, mais ça a au moins le mérite d'exister. Il est tout récent. C'est la CEST CNAM qui vient d'ouvrir une filière de formation pour des techniciens, pour des métiers de la transition énergétique. C'est parti. Alors, c'est encore c'est un premier pas. Hein. On a 16 jeunes qui viennent de démarrer le cursus. C'est un cursus, comment dirais-je, alternant, qui va durer un an, où ils vont passer 6 mois en théorie et 6 mois en entreprise. Jean-Gabriel Fagé, ici le directeur général d'Enercal, est partenaire de ce dispositif. Il pourra compléter encore bien mieux que moi la description de cette formation. Nous allons nous y associer justement pour pouvoir favoriser encore mieux le développement de cette filière et d'aider ces jeunes à se lancer dans ces nouveaux métiers, parce que ça va être les métiers de demain. Et je rebondis encore sur... Je suis désolé, mais on a quand même découvert beaucoup de choses aujourd'hui sur l'IFU. Sur l'île de l'IFU aussi, même encore une fois, les conseillers, les techniciens autour du président Lallier nous ont parlé de ça. Ils ont dit, comment est-ce que vous pouvez nous aider à transmettre ces connaissances, à faire en sorte que les jeunes Kanaks, les jeunes Calédoniens, puissent se former à ces métiers de la transition énergétique. C'est quelque chose sur lequel on va agir tout de suite. Tout de suite. Donc je vais passer la parole à Jean-Gabriel qui pourra dire encore un petit peu plus sur le sujet de la CEST CNAM. Ils sont effectivement bien représentés dans l'amphi. Le CNAM est dans sa vocation... d'amener du savoir et dans les conditions les plus applicables aux besoins de la Calédonie. Donc effectivement, Enercal soutient depuis longtemps le CNAM et en particulier cette promotion. Et c'est très bien que la CE puisse, avec les moyens dont elle dispose, apporter une impulsion supplémentaire. Ça renvoie à une question plus globale. Est-ce qu'une transition énergétique, à la fin, est-ce que c'est... créateur ou destructeur d'emplois. C'est pas du tout évident de répondre à la question. C'est une transition en mouvement. Il y a des émergences de nouveaux emplois. Il faut de nouvelles compétences. Le bilan est très... Il faut être lucide là-dessus et pas simple à établir. Il y aura aussi de la destruction d'emplois. Faire fonctionner une centrale thermique en base, c'est-à-dire qui produit quasi H24... ça nécessite aujourd'hui des ressources humaines, des compétences, parfois pointues, souvent même. Une centrale photovoltaïque au sol, un système de stockage par batterie, crée un bilan sur cet aspect purement production qui est défavorable à l'emploi. En revanche, on a évoqué la question de la rénovation du bâtiment. Ça, c'est... hautement créateur d'emplois dans un domaine qui est aussi essentiel, celui des économies d'énergie. La mobilité, c'est a priori destructeur d'emplois. Les constructeurs automobiles dans les pays développés s'en alarment. Il faudra moins de monde dans les usines parce qu'il y a moins de composants. À l'aval, dans la question des concessions automobiles, des garagistes, il y aura aussi moins de monde. Donc vous voyez, on est dans une transition avec des incertitudes, avec des bonnes nouvelles et d'autres défis à relever, et celui de la formation aujourd'hui, de l'emploi de demain,
C'est un sujet en tant que tel dans un environnement qui évolue très vite. Donc oui, il y aura de la création d'emplois dans des nouveaux métiers. Et oui, il faudra aussi accompagner des domaines en extinction. Ça va faire partie des enjeux, y compris chez nous. Merci beaucoup. Alors nous avons donc un jeune homme qui a une question en haut. On t'écoute. Oui, c'était pour demander, parce qu'on construit et on met des panneaux photovoltaïques en Nouvelle-Calédonie, mais quand, pour la construction, ça pollue, et est-ce qu'on peut les recycler, les panneaux photovoltaïques ? Très bonne question. Très bonne question. Donc, comme je le disais déjà tout à l'heure, aujourd'hui, donc, les panneaux, hein, ils ont une durée de vie, enfin, ils ont une production qui est garantie à 20 ans à 80%. Donc l'idée, c'est pas non plus à 20 ans de démonter tous les panneaux qui seront sur les toits, mais ça sera pourquoi pas de prolonger au maximum la durée de vie. Aujourd'hui, en métropole, il y a une usine. Alors c'est en métropole, hein, c'est en France du coup, mais il existe une usine qui arrive à recycler à plus de 90% un panneau photovoltaïque. Alors soit par la revalorisation matière, soit revalorisation énergétique. 95. Mes sources sûres qui me soufflent des informations. Du coup, 95% peut être recyclé. Donc, soit effectivement, les cadres sont récupérés, les cadres aluminium, et ils sont recyclés. Il y a une séparation des flux et après, il y a un recyclage. Donc, voilà, c'est déjà un premier pas. On peut s'attendre à ce que dans les prochaines années, il y ait d'autres unités de retraitement des déchets photovoltaïques, puisque ça sera un déchet in fine, donc qui se monte dans la zone peut-être plus proche que la métropole. On peut s'attendre à ce que ça se développe en Asie, on peut s'attendre à ce que ça se développe en Nouvelle-Zélande par exemple, ou en Australie. Donc effectivement, ça a un impact, hein. De toute façon, toute activité humaine aura un impact environnemental, ça c'est indéniable. En revanche, l'idée, c'est de savoir comment dès à présent on peut se projeter pour faire en sorte que les déchets qui sont aujourd'hui mis en circulation sur le territoire puissent être traités correctement une fois qu'ils seront en fin de vie. Je vais rebondir juste aussi sur le fait de mettre en fait en des photovoltaïques en fait par rapport à sa puissance de compteur en fait. Des fois, ça ne correspond pas du tout à notre besoin et du coup, on remet sur le réseau. Mais éventuellement, si on diminue de plus en plus son besoin énergétique et de mettre un ou deux panneaux photovoltaïques, c'est peut-être l'objectif de ne pas justement surconsommer des panneaux photovoltaïques pour produire à chaque fois de l'énergie verte. Voilà, voilà. C'est déjà mettre de l'énergie renouvelable pour ses propres besoins et baisser ses besoins, quoi, vraiment. Oui, donc ça nous amène vraiment à la réflexion de bien connaître nos besoins en énergie pour mieux les maîtriser et donc ne pas les gaspiller. On va prendre une dernière question. Bonjour. Depuis tout à l'heure, vous parlez de l'IFU, mais je voulais savoir si vous avez mis des moyens en place pour les avions et les bateaux, parce que pour prendre... ça utilise de l'essence et je voulais savoir si il y avait de l'essence végétale que vous aviez pensé à utiliser pour que ça soit plus écologique plus tard. Très bonne question. C'est moi qui m'y mets. Allez. Ah, il y a un micro. Oui. Sauvé par le gong. Ouais, bonsoir. Je voulais répondre à la dame. Effectivement, par rapport à l'essence, je voulais répondre puis poser en termes de questions. C'est par rapport à la filière oléagineuse, donc une bioraffinerie oléagineuse, par rapport au copra, aux noix de Bancoul, au ricin, au faux ricin. Alors, je ne sais pas si c'est une réflexion qui a été mise en place par Enercal ou par EEC dans le cadre de la mobilité. Donc effectivement, il y a des choses qui existent, mais rien pour l'instant n'est lancé en termes de valorisation de la biomasse. Donc la filière oléagineuse, on parlait tout à l'heure du coupera.
Et effectivement, on a des grandes questions concernant la mine, concernant la métallurgie au niveau du transport. Donc c'est les plus gros consommateurs de carburant fossile en Nouvelle-Calédonie. Je crois que c'est 28 millions de litres qu'on importe chaque année. Donc effectivement, il y a des choses qui pourraient se lancer assez rapidement, très simplement, par rapport à tout ce qui concerne les huiles végétales, en créant un biodiesel qui serait utilisé soit à 7% ou soit à 10%, puisque les constructeurs d'engins ont déjà lancé ça sur le marché. Et en métropole, ça se passe avec le colza, mais en Calédonie, ça pourrait se faire avec de la matière existante. Et non seulement ça, c'est que ça permet d'apporter de l'emploi, contrairement à le photovoltaïque, comme vous venez de l'indiquer, puisqu'il faudra collecter les amendes, collecter le copra, donc ça permettra aux gens de rester. Donc moi, c'est une question, parce que je m'intéresse à la bioraffinerie oléagineuse, pour produire du biodiesel par rapport à la mobilité, et en particulier pour répondre aux besoins du transport et de la mine en particulier. Alors, un éclairage par rapport au copra, ça fonctionne parfaitement dans un moteur thermique classique, moyennant quelques adaptations mineures, même avec un carburant pur. Ça existe en mélange. Un bon pick-up Toyota, vous prenez du gasoil, vous mélangez avec de l'huile de copra, ça fonctionne. Donc ça, c'est maîtrisé. Donc en fait, ça existe. C'est probablement adaptable à des engins de forte puissance comme sur les mines, très certainement sur du transport maritime, certainement bien plus compliqué pour du transport aérien à ce stade. Mais en tout cas, avec cette ressource-là, on a déjà des voies de transition énergétique, puisque on ne fera pas des systèmes entièrement renouvelables avec une combinaison de production, par exemple photovoltaïque et du stockage. Il restera dans l'équilibre de cette production sur une année 20-30% des heures pendant lesquelles on aura besoin d'avoir recours à des moteurs, à des machines tournantes. Et donc il y a effectivement un enjeu de trouver des combustibles renouvelables, et le copra en fait naturellement partie. C'est identifié depuis longtemps. Après, ce sont des filières qui sont complexes et qui reposent sur de nombreux acteurs. Il y a une volonté manifeste de relancer cette filière, notamment dans les îles, et ce serait particulièrement approprié puisque ça compléterait des solutions de type photovoltaïque et stockage pour trouver un optimum économique avec, comme vous l'avez dit, de la valeur ajoutée locale. Donc c'est certainement une solution. Elle nécessite la stabilisation d'une filière entre les plantations, ceux qui ramassent, ceux qui produisent le copra, l'huilerie, etc., etc. Enfin, ça présente une opportunité dans un contexte où inévitablement les combustibles fossiles seront plus chers, ou en tout cas parfois plus complexes à acheminer. Oui. Juste pour compléter ce qu'a dit Jean-Gabriel, et vous faire partager une expérience que j'ai eue personnellement au Vanuatu. Hein, on s'est effectivement lancé dans cette filière il y a quelques années au Vanuatu. Il y a beaucoup de plantations. Ça permet de donner du travail aux gens dans les îles. Et donc c'est une solution sur laquelle on a travaillé. Alors effectivement, techniquement, il n'y a pas de gros problèmes. On a réussi à faire fonctionner des moteurs de 8 MW avec 100% d'huile de copra. On avait les huileries qui ont été installées pour pouvoir fonctionner avec cette huile de copra. On a eu à une époque près de 40% de l'énergie sur une année qui était produite à partir de l'huile de copra. Donc on s'est dit c'est bon, c'est gagné. On avait fidélisé un certain nombre de petits planteurs. Ce qu'on avait oublié, c'est que même dans les îles éloignées du Vanuatu, on est astreint à la mondialisation.
Et à partir du moment où le petit fermier il a pu vendre à Rotterdam son Copra beaucoup plus cher qu'à Unelco, parce que ça s'appelle encore Unelco là-bas, et ben, tous nos petits fermiers qu'on avait essayé de fidéliser, leur proposer des prix à long terme sur 20 ans, ils ont vendu leur Copra aux Chinois et aux Indonésiens pour qu'ils puissent être vendus sur le marché de Rotterdam. Donc tout ça pour dire qu'effectivement c'est une solution, qu'elle marche, qu'elle est hyper séduisante et qu'elle permettrait de donner de l'emploi à beaucoup de gens, en particulier en zone rurale, mais qu'après il y a un problème évident de coût. Cultiver le copra c'est très très dur, c'est pas simple, donc la solution fonctionne, mais c'est malgré tout très difficile à mettre en œuvre dans le cadre d'un fonctionnement mondialisé de l'offre et de la demande. Mais ça fonctionne très bien. On avait aussi, par contre, essayé l'huile de copra dans les moteurs diesel. On a assez vite abîmé nos moteurs et on a arrêté. Mais ça fonctionne. Merci beaucoup. Alors, pour répondre à la question de la jeune fille, qu'en est-il au niveau mondial du transport maritime et aérien? Qu'en est-il des avancées technologiques sur les carburants verts, hein? C'était le sens de votre question. Est-ce que quelqu'un a des éléments de réponse? Loïc? En ce moment, on va dire que pour l'aérien, c'est plutôt résolu comme problème, hein, puisque du coup, ils sont tous plaqués au sol. Malheureusement pour certains, heureusement pour d'autres. Hein, ça, c'est pas à moi d'en décider. Pour ce qui est du maritime, il y a justement un moratoire international qui est passé sur la réduction de la contenance en soufre. Des carburants pour tous les bateaux internationaux. Donc, normalement, théoriquement, on va vers du mieux, même si il y a encore du chemin à parcourir. Mais l'idée, c'est quand même d'y aller. Alors, des fois, c'est vrai, pas assez vite. J'entends bien le message d'Hubert. Mais, en grosso modo, là-dessus, on est aussi un peu tributaire des décisions des politiques internationales, quoi. Certains pays qui obligent déjà à l'entrée dans leur port l'utilisation du bicarburant. Donc, est-ce que c'est envisageable de mettre en place une réglementation comme ça pour la Nouvelle-Calédonie le jour où les bateaux de croisière reviendront? Ça, c'est une vraie question. Alors, on n'a peut-être pas les éléments de réponse ce soir, et puis en plus, il va falloir qu'on avance. André, tu voulais compléter? Non. Alors peut-être justement, comme on est sur les moyens de transport, une dernière question sur l'écomobilité, notamment l'électromobilité. Est-ce que c'est quelque chose qui est appelé à se développer rapidement? Moi, je vais dans le sens d'Hubert, hein, j'aime bien quand ça va vite aussi, puis on sait tous qu'il y a urgence. Je sais que l'Agence calédonienne de l'énergie a fait une étude sur le maillage, notamment des bornes de recharge autour de la Nouvelle-Calédonie, par exemple. Donc, c'est une première action, mais quelle est la suite? Alors, effectivement, on parlait tout à l'heure des grands volets de la transition énergétique. Vous avez effectivement tout ce qui est développement des énergies renouvelables. Vous avez la partie maîtrise de la consommation d'énergie. Et puis, il y a également ce que je vais appeler les domaines d'usage des énergies renouvelables. Et l'électromobilité en fait partie. Aujourd'hui, vouloir développer de l'électromobilité en Nouvelle-Calédonie, je ne vais pas dire que c'est un non-sens, mais pour l'instant, ça n'est pas complètement adapté, puisqu'on risque de développer des dispositifs qui vont aller chercher l'énergie sur un réseau qui est très carboné. Donc, on va recharger des batteries si on se branche sur le réseau actuel qui est carboné. Mais maintenant, les technologies dans le domaine de la production renouvelable évoluant, et notamment au niveau des prix, on en vient à pouvoir effectivement imaginer un réseau de bornes de recharge alimentées par des systèmes de panneaux photovoltaïques individuels. Et à l'Agence calédonienne de l'énergie, on a travaillé très vite, en l'espace de quelques semaines, sur l'élaboration d'un cahier des charges pour lancer en partenariat ensuite avec les opérateurs du système électrique et le service de l'énergie de la DIMINC sur la mise en place d'un schéma directeur pour mailler l'ensemble du territoire, c'était la Grande Terre et les îles, en borne de recharge publique. Voilà, c'est un premier pas. Bastien pourra préciser également que la DIMINC travaille sur une réglementation adaptée, parce qu'on ne peut pas non plus
j'ai envie de dire, permettre tout et n'importe quoi. On ne peut pas non plus faire entrer n'importe quel type de matériel sur le territoire. Il faut qu'il y ait des normes qui permettent d'avoir des dispositifs de recharge de batterie qui soient fiables et qui soient de qualité, qui soient interopérables et qui puissent communiquer entre eux. Donc c'est lancé. La machine tourne. C'est d'autant plus important. Et on a autour de la table ici des directeurs d'entreprises qui sont des énergéticiens, mais des sociétés, des groupes internationaux qui se fixent des enjeux de transition énergétique avec la nécessité de verdir les flottes de ces entreprises à un horizon de 5 ans, 10 ans. Des constructeurs automobiles qui se fixent eux-mêmes des objectifs de décarbonation, je ne sais pas si ça se dit comme ça, mais de leur gamme de véhicules, pour avoir des véhicules qui ne fonctionnent plus au thermique, mais qu'ils soient, propres. Et il faut que nous, institutions, administrations, on anticipe cette évolution et qu'on mette en place à la fois un cadre réglementaire, un cadre incitatif pour permettre à cette électromobilité de se développer. C'est parti. Ouais, donc pour compléter effectivement ce point de nature réglementaire, donc un projet de réglementation qui a été élaboré en concertation avec les représentants des concessionnaires automobiles, Enercal, EEC, Synergie, la CE, l'ADEME, pour justement définir les règles auxquelles devront répondre ces bornes de recharge. Parce que on comprend bien qu'on a tout intérêt à pouvoir permettre un maximum de recharge de ces véhicules électriques au moment de la journée où on a le plus d'électricité verte, notamment au milieu de journée grâce au photovoltaïque. Et qu'à l'inverse, par exemple la nuit, on tourne plutôt sur des énergies fossiles, ça présente juste aucun sens de recharger son véhicule électrique avec de l'électricité qui provient du charbon ou du fioul lourd. Donc du coup, il est nécessaire de piloter, de rendre pilotables ces bornes. Et donc là, on a besoin de la réglementation pour pouvoir définir des règles qui me permettront aux gestionnaires de réseaux, qui ont, eux, la vue en permanence sur, d'une certaine manière, le poids carbone du kilowattheure à l'instant T, de pouvoir piloter à distance ces bornes pour permettre de réguler les charges qui seront sollicitées par les détenteurs de véhicules électriques. Donc ça, ce texte a été transmis à l'attention du gouvernement et devrait être présenté cette année au Congrès dans la foulée. Et il viendra du coup, je pense, à un moment où la CE aura finalisé son étude sur le maillage des bornes. Et ça pourra donc se concrétiser à travers ce qu'on appelle aujourd'hui la PPI, qui est la programmation pluriannuelle des investissements de production électrique, mais qui va s'étendre progressivement vers une PPE, pour programmation pluriannuelle de l'énergie, définir finalement ce maillage. Et laisser la porte ouverte aux opérateurs qui le souhaitent d'obtenir ces autorisations pour pouvoir faire sortir de terre ces bornes. Merci. Alors, toute dernière question, très Mathias, rapide. Parce que je vois que tu as le micro depuis un petit moment. En tout cas, j'aimerais vous remercier pour la qualité des échanges. Et j'ai une petite question ou observation qui peut paraître bête ou naïve. On a compris qu'il fallait réduire nos consommations. On a compris que le kilowatt le moins cher était celui qu'on n'avait pas consommé. On a compris qu'il fallait baisser la partie fossile. Que le solaire coûte pas cher, que ces énergies renouvelables, on est sur ce mix énergétique avec du solaire, de l'éolien, de la biomasse, mais il y a une énergie dont on ne parle pas, qui est gratuite, qui est renouvelable, c'est nous, c'est l'énergie humaine. Alors, il y a à Utrecht, ils ont équipé un bâtiment avec 750 chambres où ça pédale. Je crois que la douche dure qu'une seule minute, l'eau chaude, mais tu as 750 étudiants qui ont l'Internet, qui ont l'électricité, et ça fonctionne. Il y a One Billion Change, une ONG indienne, qui bosse sur un vélo où on pédalerait une heure ou deux et on aurait l'électricité chez nous pendant 24 heures. Alors, est-ce que c'est de l'utopie? Est-ce que c'est possible? Et est-ce qu'on ne devrait pas... Vous êtes... Le panel de l'énergie en Nouvelle-Calédonie et cette énergie gratuite, c'est on fait du bon pour la santé, on fait du bon pour l'environnement, on fait du gratos. Est-ce que il y a pas, on parle de mix énergétique, mais un petit 5% au moins de ça. Est-ce que ça a sa place ou c'est débile comme observation? Là, il faut. Pas tout le monde connaît les publications de Jean-Marc Jancovici. Et... Ouais. Il a l'habitude de répondre à cette question et de comparer
l'énergie que peut déployer un homme en pleine santé et très costaud, comme il y en avait beaucoup quand on avait beaucoup d'agriculteurs ou de gens qui travaillaient à la campagne. Et sur une journée, ça doit être à peu près le déploiement de l'énergie d'un homme, ça doit être à peu près un demi dé à coudre de pétrole. Donc en fait, pas de chance, mais vraiment l'énergie contenue dans un tout petit volume de pétrole est considérablement plus importante que celle que va déployer un homme. Et c'est malheureux, mais voilà, le pétrole est une source formidable d'électricité et c'est pas un hasard si on en a abusé pendant un siècle ou plus. Donc, dans la part de mix énergétique, est-ce que cette énergie humaine a un tout petit peu d'avenir ou non? Mais que cela ne vous empêche pas de venir tester. Faire du vélo, c'est une bonne idée. Que cela ne vous empêche pas de venir tester les vélos qui se trouvent donc en bas de la salle. Je suis désolée, on va devoir clôturer. Ce ciné-débat a été totalement donc filmé et sera diffusé le samedi 5 septembre à 14h dans le cadre de Calédonia Conférence, donc sur la chaîne Calédonia. Puis sera disponible en replay sur le site de la chaîne calédonia.nc dans l'onglet replay. Et je vous annonce d'ores et déjà le prochain rendez-vous, puisque vous savez que les ciné-débats empreintes sont mensuels, et le prochain donc se tiendra le 17 septembre donc sur le thème de trier et valoriser nos déchets. Ce sera vraiment très intéressant également, un sujet vraiment important. Et puis si vous voulez continuer cette discussion, et là on va peut-être revenir en arrière, je m'excuse, donc vous pouvez liker notre page Empreinte NC et puis vous inscrire au groupe Empreinte Positive pour la Nouvelle-Calédonie. C'est un groupe qui est libre, qui est animé uniquement par vous, et où vous pouvez continuer à échanger, poser des questions, partager vos expériences, vos points de vue, vos projets également. Voilà, donc sinon rendez-vous le 17 septembre à 18h sur le thème des déchets et de la valorisation des déchets. Et puis venez pédaler. Bonne soirée, merci à vous. Merci. Merci.